Allô? Ok, bonjour à tous, bienvenue sur videobourse.fr pour le live de ce mardi. Nous sommes le 23 septembre 2014. Je vais me laisser au niveau du son et de l'image et on va commencer. Alors Mario qui me demande si j'étais caché. Non, j'étais pas caché, mais je bossais. Bah vous avez vu, j'ai lancé une nouvelle campagne là, publicitaire pour JKFX. C'est un courtier qui a été créé en 2009. Qui a pas mal évolué en Europe, etc. Qui démarche depuis quelques années le marché français, mais sans. On va dire pas plus que ça pour le moment. Là, ils ont l'air de vouloir présenter leur offre de manière plus précise au marché français. Voilà, je travaille avec eux sur une campagne publicitaire. Il y aura également deux webinaires qui seront organisés avec eux. Ce soir, un webinaire sur la gestion du risque avec un de leurs analystes, Jonathan Moisan. Donc, on retrouvera à 18h. Et un autre jeudi. Alors, je ne sais plus le thème de jeudi, je vous le dirai. Il sera annoncé. De toute façon, vous avez tout ça. Vous voyez dans le menu de gauche sur Vidéo Bourse. Et du coup, comme c'est la première fois que je diffuse des annonces pour ce courtier, également comme je n'ai jamais tradé avec eux, même s'ils bénéficient de. Régulation solide, ils ont leur siège établi à Londres, etc. Je préfère tester. En plus, comme c'est une période latente par rapport à mon compte mutualisé, j'ai fait un dépôt de 500 euros, donc je vais traiter un peu pour mon compte propre. Donc là, on va pas être dans la gestion du risque à quelques pourcents. Hein. Forcément, avec 500 euros, ça va être assez agressif, sans faire n'importe quoi non plus. Donc voilà, on va voir ce qui peut être fait. Alors là, j'étais en discussion justement avec leur support parce que je viens de faire l'ouverture et le dépôt moi tout à l'heure. Pour l'instant, je ne parviens pas à me connecter, mais ça va se résoudre assez rapidement, je suppose. Voilà, Mario me dit son OK. Il me dit ouais, j'étais pas là. Ouais, bah je bossais. Donc voilà, désormais je suis là. Bah, voilà, si vous voulez participer à l'émission, ça se passe via le chat écrit en bleu en dessous du cadre de diffusion de l'émission ou via le chat audio Mumble, Mumble. Je vais m'y connecter. Aucun conseil d'investissement n'est prodigué dans le cadre de cette émission. Si vous choisissez de me suivre ou de suivre l'un des membres, cela incombe de votre responsabilité. Alors, Foxton qui me demandait quel broker, c'est JKFX. Bah, de toute façon, tu vois les bannières. Hein, on est en campagne assez active là, durant la semaine avec eux. D'ailleurs, si vous voulez découvrir leurs offres, hein, si vous aimez et vous suivez régulièrement le contenu de ce site, eh bien, voilà, quand vous voyez des campagnes publicitaires ou des courtiers particulièrement mis en avant avec lesquels on travaille. N'hésitez pas à vous y intéresser, si vous le souhaitez, à ouvrir des comptes virtuels pour les tester. Voilà, videobourse.fr, c'est un site entièrement gratuit pour ses utilisateurs qui vit de la publicité. Après, j'essaie de faire la publicité la plus intelligente possible avec en cumulant en fait un aspect commercial forcément qui permet au site d'être rentable et de tourner, avec un intérêt quand je reçois des intervenants, des représentants de courtiers. Voilà, essayer d'avoir des points de vue de professionnels sur tel ou tel sujet, etc. Donc voilà, si cela vous intéresse, vous avez des informations un peu partout. Également un sujet sur le forum si vous voulez vous exprimer. Voilà. Alors, on me confirmait que c'était OK, donc on va pouvoir enchaîner. Alors, ouais, donc je suis en train de discuter avec leur support. Alors, mon mail d'ouverture de compte, mon numéro de compte, ça c'est bon. Peut-être que c'est un autre mot de passe sur MT4.
Alors, 2 secondes. Phil qui disait 0 LCI renonce à l'info en continu, TF1 supprime 148 postes. Putain. Eh oui, LCI qui était une chaîne d'information spécialisée mais payante. Elle n'a pas survécu à BFM et ITélé. Bon, ce qui me semble assez logique, c'est quand même des chaînes de qualité. Après, on peut sans doute discuter de la qualité des informations qu'ils fournissent ou de la manière dont c'est traité, mais au niveau de l'efficacité et de l'info en direct et en continu, c'est quand même pas mal du tout. Et donc, voilà. J'attends là, je suis en discussion avec le support. Pardon, c'est. Ah oui, ok. Je suis pas exactement comment je vais viser avec ce compte, hein. J'ai pas d'idée précise, de toute façon je vais pas trader 107 ans, ça, je vais traiter durant cette semaine. C'est plus histoire de tester le courtier, de voir, peut-être que je serai amené à travailler plusieurs fois avec eux, etc. Donc la moindre des choses, si je promeux un broker, c'est de savoir ce qu'il en est, d'avoir une expérience réelle avec ce courtier. Donc voilà. Après j'ai pas. Voilà, comme j'ai dit l'autre jour, hein, je suis pas dans une optique de mettre maintenant. Quelques centaines ou quelques milliers d'euros sur un fonds de trading, puisqu'en général ça va pas bien loin et ça peut plus amener à faire des bêtises qu'autre chose. Donc voilà, c'est plus histoire de tester. Après, si je peux prendre un peu d'argent, tant mieux. Si j'en perds un peu, tant pis. Je vais essayer d'être intelligent. Ils ont des bonnes conditions de trading sur le CAC avec 0,8 pip, 0,8 points de commission plus spread sur CAC 40. Donc on va voir ce que ça donne. Quel est mon niveau de l'exécution, etc. Alors, ah bah ça y est, c'est bon. Ah bah non. Non, c'est pas bon. Alors, ça c'est bien mon numéro de compte.
Alors, 15h50. Bon, désolé, j'essaie de régler ce souci au plus vite. En attendant, on va écouter une vidéo. Voir un peu ce qui se dit ce jour. On va aller du côté de la Suisse, du côté d'investir.ch, pour voir quels sont les focus et points importants de cette journée. Donc, il n'y a pas énormément bougé pour le moment. Qu'il n'y a pas de mouvement majeur. On a l'ouverture du marché US qui s'est produite sur un gap baissier avec 17 133 points qui cote actuellement. On verra si on comble ce gap ou pas. En attendant, donc, on va écouter la chronique boursière du 23 septembre 2014. On écoute ça. Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière du 23 septembre 2014. Nous sommes donc officiellement et dorénavant les champions du monde du retournage de veste. Il y a des matins, quand je lis la presse des dernières 24 heures, je me demande si le marché a toutes ses facultés et ce matin est un de ces matins. Petit retour en arrière, nous sommes vendredi après-midi et Alibaba va bientôt ouvrir à Wall Street pour la première fois de son histoire. Les indications de préouverture sont affichées sur CNBC. Aux dernières nouvelles, le titre devrait ouvrir au-dessus des 90 dollars. Les types de la télé se passent et se repassent le micro pour expliquer ô combien ça va être trop cool d'acheter Alibaba puisque c'est le meilleur moyen de jouer la croissance trop cool et trop géniale qu'il y a en Chine. D'ailleurs, le mot Chine est entré dans le dictionnaire des synonymes comme équivalent du mot croissance. Dès les premiers échanges du titre Alibaba, tout le monde se file des grandes claques dans le dos et tout le monde est super content et trouve super normal qu'Alibaba vaille déjà près de 230 milliards de dollars. Après tout, ne représente-t-elle pas la consommation chinoise dans toute sa splendeur, la croissance chinoise dans toute sa quintessence? Ça, c'était vendredi soir. Ce week-end, le ministre des Finances chinois, M. Liu Jiwei, a déclaré que le pays faisait face à pas mal de pression du côté de la croissance, mais que le gouvernement n'allait pas faire de changement de politique monétaire majeur. En gros, il n'allait pas engager Bernanke dans leur équipe pour lancer un quantitative easing à la mode chinoise. À partir de là, tout ce qu'on a raconté sur la croissance en Chine durant la séance de vendredi semblait remis en question. Ce lundi, il y a même un type qui a réussi à nous sortir les graphiques des ventes de Scotch Whisky en Chine, graphiques qui laissaient indubitablement supposer que les Chinois avaient arrêté de consommer du scotch et que, comme en général ils consomment du scotch en jouant à Macao, on pouvait donc en tirer la conclusion qu'ils ne jouaient plus ou moins en tous les cas. Bref, encore une indication comme quoi la croissance chinoise, eh ben, c'est plus ce que c'était. Voilà donc dans quel état d'esprit le marché a commencé la semaine. Vendredi soir, on aurait vendu les bijoux de famille pour acheter la Chine et lundi matin, c'était courage fuyons. La contagion s'est donc immédiatement répandue en Occident. On pouvait d'ailleurs trouver un article du Wall Street Journal hier qui se posait déjà la question suivante: est-ce que les profits d'Alibaba peuvent continuer à croître? Donc, pour faire simple, dès lundi matin, à la première heure, on a listé les titres qui étaient supposés ne pas aimer ce qui se passait en Chine. En Europe, on a choisi les minières et tout le secteur s'est fait taper dessus. Heureusement, il y avait aussi des bonnes nouvelles pour compenser tout ça. Siemens qui achetait Dresser-Rand, nouvelle confirmée finalement. Et puis Merck qui annonçait son intention de mettre la main sur Sigma-Aldrich pour 17 milliards, faisant bondir le titre de 33%. Mais mis à part ça, l'ambiance était morose et les indices européens ne parvenaient pas à remonter la pente. Sans parler des supermarchés Tesco qui se faisaient laminer de 10% après avoir découvert une erreur dans leur comptabilité. Et tout ça ne s'améliorait pas avec l'ouverture des USA qui s'attaquaient immédiatement à Alibaba et à Yahoo. Les vainqueurs de vendredi étaient les losers de lundi, bien que Yahoo ait déjà bien cotisé vendredi passé. Mais cela continuait ce lundi, et puis en plus, il y avait une justification supplémentaire pour les traders. Comme mardi matin, HSBC devait annoncer sa version Flash PMI chinois, il n'y avait pas besoin de savoir additionner 2 plus 2 pour comprendre qu'il fallait prendre les profits. Parce que vu les commentaires du ministre, il était plus que probable que le chiffre qui serait annoncé ce matin, ce mardi matin, serait en dessous des 50, ce qui indiquerait une contraction et ce qui voulait dire que la croissance de la Chine était toute pourrie. Vu comme ça, c'est assez simple la bourse. Je vais tout de suite casser le suspense, ce matin le chiffre en question est sorti, il est à 50,5 au-dessus des attentes des économistes et au-dessus des attentes des traders qui ont vendu le marché hier. Vu comme ça, c'est assez drôle la bourse. Dans les autres nouvelles d'hier, on va reparler d'Herbalife, le titre s'est fait démonter hier soir, 10% de baisse dans des gros volumes, il y avait une rumeur qui circulait comme quoi un gros actionnaire se débarrassait de ses actions, apparemment si c'est le cas ce n'est pas ICANN, selon une autre rumeur.
En tout cas, rien n'a été confirmé, mais le titre est au plus mal, et en plus, sans aucune nouvelle, ce qui n'est pas de bonne augure. Je crois qu'il y a un hedge fund manager chez Pershing qui doit commencer à avoir le sourire. En ce qui concerne l'or et le pétrole, je crois que je vais arrêter d'en parler dans ce morning, tellement il ne se passe rien. L'or est à 1219, et il y a un article qui est le plus lu du moment sur marketwatch.com qui dit que l'or est maudit et qu'il est tout pourri à vie. Ce matin, le métal jaune est à 1219$ et le baril est à 91,46, c'est super fun. En Asie, après le sell-off de la veille, because des commentaires du ministre, on se reprend un peu, la Chine monte de 0,7% et Hong Kong est dans le vert. Tokyo est toujours dans le rouge, mais c'est le rouge d'hier, parce qu'aujourd'hui, c'est fermé à Tokyo. Dans les nouvelles du jour, on retiendra le fait que les deux sociétés d'Elon Musk, Tesla et SolarCity, se sont toutes deux prises des baffes ces derniers jours, ce qui fait que le pauvre monsieur Musk est moins riche de 1,7 milliard. Je propose que l'on mette en place un CCP pour faire des dons et le soutenir dans l'adversité. Hier, Draghi a parlé également. Il a dit que le recovery en Europe perdait de la puissance. Content de savoir qu'il y avait un recovery en Europe et qu'il y avait de la puissance. En revanche, il n'a pas parlé de lancer son QI plus fort et plus vite que prévu. Les alliés ont commencé à bombarder la Syrie et les positions supposées des cinglés islamistes radicaux, pour autant que le sujet intéresse encore quelqu'un. L'ISIS a, dans la foulée, kidnappé un touriste français en Algérie et du coup, il menace de lui couper la tête, à lui aussi. On voit que ce sont des gens pleins d'originalité et vraiment très très civilisés. Un analyste de la société MKM aux USA estime qu'Alibaba vaudra $125 dans les 12 mois. Il ne précise pas s'il a fait ses calculs avant ou après l'annonce du ministre des Finances. Tim Cook déclare que le nouveau bâtiment d'Apple sera le plus vert de la planète et je ne pense pas qu'il parle de la couleur. Apple a vendu 10 millions d'iPhone 6 pour le premier week-end et c'est pas mal du tout, sans compter qu'ils n'en ont pas vendu en Chine. Le nombre d'étudiants aux USA qui n'ont pas de logement est au plus haut de tous les temps, mais c'est sûrement un signe que tout va bien. De toute façon, le S&P est aussi au plus haut de tous les temps et personne ne dit rien. Le Barron's reprend la théorie des small caps qui sont au plus mal et c'était à fait pour attirer tout le monde à la cave. Baudouin Pro, patron de la BNP, serait sur le départ, mais la banque n'a pas souhaité confirmer hier soir. La caution de l'UBS en France est maintenue à 1,1 milliard d'euros. La SEC vient de payer $30 millions de commission à un informateur. Retenez bien la leçon, si vous savez quelque chose, n'hésitez pas à devenir une balance. Ça paye, en plus, ça reste entre eux et vous. Côté chiffres économiques, nous aurons le French Business Survey, le French GDP, le French Manufacturing et le French PMI. Autrement dit, la fête à Hollande. Puis les Allemands auront aussi leur PMI ainsi que l'Europe. Aux USA, nous aurons les ventes des grands magasins, le Redbook, les prix de l'immobilier, le PMI Manufacturing, le Richmond Manufacturing Index, deux membres de la fête qui parleront, mais pas Yellen, et puis les inventaires pétroliers façon API, inventaire dont tout le monde se fout actuellement. Pour le moment, l'euro-dollar est à 1,2852, le dollar yen est à 107,75, l'euro suisse est à 1,2072 et le bitcoin est à $387. Le rendement de 10 ans américain est à 2,5660 et à l'heure où je vous parle, les futurs sont en hausse de 0,05%. On ne peut pas dire que ça sente le rebond dynamique. Voilà, aujourd'hui nous sommes la Saint-Girouette, le saint préféré des traders et autres investisseurs. En attendant de vous retrouver demain matin, je vous souhaite une excellente journée. Voilà le point réalisé par investir.ch. Donc sur les focus du jour. Alors oui, donc j'ai eu la réponse du support par rapport à mon compte. Donc là, je peux accéder à mon compte en fait sur le site de JKFX et sur mon espace personnel, etc. Mais tant que j'ai pas validé mon compte via les documents, donc la pièce d'identité et le justificatif de domiciliation, je peux pas trader pour le moment. Donc après, ça c'est relatif aux régulations. Donc là, j'attends, j'ai transmis mes documents. J'attends avec impatience, on va nous faire une petite session de trading là en fin de journée et de voir un peu ce que donne le CAC. Bon, sinon on va voir un peu ce qui se dit à droite à gauche. Je sais pas, tiens, s'il y en a d'entre vous qui ont déjà traité avec ce courtier ou pas du tout. Alors, avec une mention spéciale à Nico qui a créé un deuxième MyFXBook avec le même nom. Bravo.
Salut 1, 2, 3, pardon, enfin, pas, salut 132, salut Dédé plutôt. Oui, ça va très bien, merci. Et toi? Le compte d'Alex, a priori, qui va pas fort. Enfin, les MFXbook cramés, carbonisés, vous savez, trade mat. Eric Pure dirait que ça te fait plaisir qu'il y ait des gens qui aient de mauvais résultats. Je vois pas ce que ça t'apporte à toi. Après, merci à tous ceux qui partagent leurs résultats et leurs connaissances et leur expérience des marchés, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. On peut apprendre, bien sûr, c'est bien d'avoir des bons exemples à suivre, etc. C'est comme ça qu'on progresse. On peut également apprendre des résultats des autres. Donc, quoi qu'il arrive, c'est une bonne chose de partager ses résultats. J'oubliais le cramage de l'année, Fabien Labrousse, ce qui est complètement faux, RIP. Hein. Il n'y a vraiment rien de cramé puisque je détiens plus de 4 cinquièmes du capital initial. Donc, bah voilà, c'est une mauvaise série, on est très loin de cramer quoi que ce soit. C'est justement ça qui est vraiment important. C'est par exemple quelque chose qui, là je reprends un petit compte personnel juste en latence, mais qui me motive à plutôt partir sur des gros comptes que des petits comptes. Sur les petits comptes, dès que ça commence à mal se passer, on est vite tenté de prendre des gros risques pour se rattraper, etc. Donc rentrer dans une logique de gambling, de jeu. Alors quand on gère plus, il n'y a pas cette possibilité. Quand on a une équipe du risque derrière, bien même quand il y a des mauvaises séries, voilà, tu conserves la grande majorité de ton capital et tu définis de nouvelles stratégies, de nouveaux projets, etc. Ce qui te permet d'avancer. Bah, c'est ça qui est important. Je pense, en termes de gestion du risque. Et c'est un vrai avantage. Voilà. J'en ai Mossad sur le CAC, disait Dédé. On vous donne rendez-vous en 2015, disait RIP. Bien sûr, il faudra que tu reviennes RIP en 2015. Tu verras que l'activité du site sera toujours. Enfin, je dis ça. J'en sais rien, parce que peut-être que j'en serai plus propriétaire d'ici là, mais. A priori, il n'y a aucune raison qui fait penser qu'en 2015 on s'arrêterait. Au contraire, là, depuis sa création en 2007, je crois que d'année en année, le contenu s'améliore, je pense, et on a la possibilité de rencontrer des gens vraiment intéressants, de susciter du débat, des intervenants de qualité qui viennent maintenant sur le forum, parfois discuter et répondre. Donc, ça rend une bonne chose. Voilà. Donc, tout s'annonce très bien. Il t'a arrêté à temps, JFD, tu étais bien parti pour le cramer, Fab et Mario. C'est pas JFD, le service risque, il y avait une limite à 20% de radon. Là, j'ai pas atteint les 20% de radon par rapport au capital initial. C'est moi qui ai dit que voilà, je voulais pas spécialement atteindre la limite, mais que je préférais qu'on reparte sur de nouvelles bases, etc. Puisque là, j'avais une mauvaise série et que j'approchais de la limite. Donc c'est bien moi qui ai pris cette décision. Après, on était proche de la limite, donc il y avait une limite définie dans le contrat initial, Mario. Donc après, dire ils t'ont arrêté à temps, tu étais bien parti pour le cramer, ça pour moi c'est complètement faux, Mario. Voilà, au mois d'août j'étais à plus 10, au mois de septembre j'étais à moins 20, donc peut-être qu'il y avait beaucoup de volatilité, etc. Mais je vois pas ce qui t'indique particulièrement que je serais allé plutôt à moins 10 qu'à plus 10 juste après. Après, si tu veux tirer des conclusions, etc., c'est ton choix. Alors, ton mois d'août, du cul, ta moyenne. Ça, c'est. En fait, Mario, pour moi, déjà l'introduction là. Tu me dis ton mois d'août, du cul. Les marchés financiers, c'est achat ou vente, donc c'est binaire. Donc, tu achètes ou tu vends. Donc, si tu traites les yeux fermés sans rien regarder, sans aucune commission, etc., tu auras une chance sur deux de gagner, une chance sur deux de perdre. L'idée est d'optimiser ces points d'entrée pour avoir de bons résultats. Donc, si j'ai réussi à trouver une stratégie qui me permette de gagner,
Enfin voilà, si tu me dis de la chance, donc toi en fait pour toi quand ça se passe bien c'est de la chance, quand ça se passe mal c'est ma responsabilité. Pour moi c'est pas cohérent et c'est de la mauvaise foi je dirais. Et en plus j'ai pas moyenné, c'est complètement faux. Justement en fait quand tu regardes mes résultats sur le mois d'août, il y a eu une grosse accélération baissière que j'ai bien suivie sur le Dow Jones. Je suis resté en position alors qu'Impulsion était déjà bien parti, que j'avais réalisé un beau profit. Donc c'est d'avoir tenu ma position qui finalement après m'a amené à subir des pertes et non pas dans une logique de pas accepter. Les pertes elles ont toujours été acceptées. Donc voilà, pour moi c'est faux ce que tu as dit, ta phrase est fausse. C'est tout, rien à voir avec ton analyse, Fab, disait Mario. Bah Mario, si pour toi c'est n'importe quoi, etc., mais il faut pas venir sur le site, il faut plutôt aller sur d'autres sites, Mario. Là, tu m'expliques qu'en gros, ce qui est fait ici, qu'il n'y a pas de logique et que c'est n'importe quoi, mais tu viens tout le temps. Donc va sur d'autres sites où tu te sentiras mieux, Mario. Mec, dites-moi pas qu'il est encore en train de se rassurer, d'y arriver. Tu es en train de gagner. C'est ce que tu fais, tu prends les trades n'importe comment. Mais Mario, alors si je prends les trades n'importe comment, tu viens tous les jours sur le site de quelqu'un qui fait n'importe quoi. Et sur un site qui n'a pas de logique. Donc, Mario, je te propose de t'en remettre à toi-même. Phil qui disait, là c'est gratuit, beaucoup risquent de la reprendre. L'interview de Marc, tu aurais presque pu la vendre à des médias comme BFM, disait Phil. Bah, il n'y a pas de raison. Tu ne sais pas trader, tu ne l'acceptes pas, dit Mario. Bah, en tout cas, ça c'est clair que si c'est toi qui me le dis, que j'ai jamais vu de ma vie et qui me parle sur un chat écrit, j'ai aucune raison de te l'indiquer, alors que bah, des professionnels que je rencontre régulièrement, etc., trouvent que le projet, l'avancée de l'ensemble, on va dire, du site et également de ma motivation, etc., sont vraiment des bonnes choses et m'ouvrent des portes. Donc bien sûr, je vais pas te croire, toi qui es sur un chat écrit, alors que je suis régulièrement en contact avec des gens qui sont motivés, plutôt enthousiastes, quant à mon avancée. Après, qu'il y ait des phases plus délicates ou plus dures que d'autres, très bien, ça fait partie d'une carrière. Mais dans l'ensemble, tout se passe très bien, tout évolue très bien, donc pourvu que ça dure, Mario. Et bien sûr, je ne vais pas accorder de crédibilité à tes dires spécialement. J'ai aucune idée de qui tu es. Acné, para Fabien, c'est pas mal. Ça, on avait vu. Mario qui dit, tout le monde le dit, Fab, même sur le forum. C'est faux. Tout le monde ne dit pas du tout ça. Voilà, donc c'est faux. Ça, on avait vu. Ok, bon, après, je vais pas faire que de répondre à des questions auxquelles j'ai déjà répondu. Extrême qui fait un clavier. Ah oui, aussi les gens qui critiquent tout et tout le monde, là par exemple, beaucoup de critiques par rapport à la Diamond, pourquoi pas. Après, c'est simplement que voilà, sur internet il y a des gens qui se permettent de tout critiquer, de tout voir noir, de tout noircir, etc., alors qu'eux ne proposent absolument rien. Ça, c'est clair que c'est pas du tout ma vision du truc. Moi, c'est plus une vision positive de progrès, d'aller vers l'avant. Et de réussir, pas du tout d'être dans l'aigreur et dans la critique pour critiquer juste par jalousie ou parce qu'on n'est pas capable de faire quelque chose. Donc ça, c'est sûr que moi, je suis plus dans, voilà, dans le fait de croire au projet, d'aller de l'avant et d'aller à la rencontre des gens. Ça, c'est clair et net. Marc fait du spreading, ça veut dire que, par exemple, il vend des studios en Angleterre et rachète des maisons de 10 pièces en 150 cas. Phil qui parlait de la méthode de spread, effectivement, qu'on peut retrouver sur d'autres types de marchés, notamment le marché de l'immobilier, en l'occurrence, Marc. Il fait du spread sur le DAX et l'Eurostox, d'après ce qu'il écrit dans la vidéo. Une autre vidéo sortira ce soir, je sais pas, je crois que je vais sortir ce soir une vidéo que j'avais faite dans les locaux de Julien Montero. Il m'en reste une ou deux à publier. Et j'en ai encore quelques-unes également de la Diamond Trading Academy, donc ce sera à suivre avant de publier les vidéos du salon du trading qui avait lieu vendredi et samedi, avec plusieurs membres du site que j'ai pu voir là-bas. Un fille qui nous parle du marché de l'immobilier avec des grandes maisons pas chères en province. C'est sûr que c'est pas Paris.
Alors, en attendant la validation de mes documents, je vous propose d'aller écouter ce qui se dit à droite à gauche, d'aller voir pourquoi pas des analyses, des publications ce jour. Je viens d'avoir un retour du support. Ouais, Liva, ouais. Ça va? Ça va là? Ouais, tranquille. Alors, quoi c'est de bon? Ouais, ça va, ça devrait. C'est toi qui m'as envoyé ce webinaire avec chez KFX là? Ouais, c'est ça, ce soir je reçois un gars de JKFX, Jonathan Moisan. On va parler du risque, notamment de la gestion du risque. À quelle heure exactement? Attends deux secondes, je branche le casque. Ouais, c'est ce soir à 18h que je le reçois. Ah, voilà. Ok. Lui, il est à Londres. Okay. Et lui, il est à Londres? Ouais, à Londres, ouais. Okay. Ils ont leur siège social à Londres. Oui. Donc voilà, ce sera l'occasion de discuter, de voir. Ça va pas tellement être une interview, mais plus un webinaire. À la fin, il y aura peut-être des questions-réponses. Mais je sais que lui, il a préparé un PowerPoint, etc. Donc il a l'air assez bien organisé. Donc ce sera intéressant de voir ce qu'il a à nous dire. Ok. Merci de ne pas avoir oublié. Pas de soucis. Ok. Alors sinon, ça va toi? Ça va. Tu vois, mais j'ai un problème. Je sais pas si toi, tu as le même problème. Tu vois, mais j'ai un problème avec Nicolas, avec son morning meeting. J'arrive plus le suivre en direct. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Moi, je regarde pas en direct le matin les lives d'Eliefix. Je regarde sur YouTube quand j'ai le temps. En fait, ouais, c'est ce que je fais actuellement. Mais si tu as l'occasion de parler avec Nicolas, dis-lui que c'est depuis qu'ils ont changé le système là, ouais. Live, j'arrive plus. J'ai essayé de le joindre plusieurs fois, mais j'arrive pas. Et j'ai déjà expliqué à l'autre américain là, mais il n'a pas compris. Donc, si tu as de l'occasion, dis-lui que c'est vraiment un problème. Il y a des gens qui n'arrivent pas à suivre le morning meeting en direct. Du coup, je le rattrape sur YouTube le soir. Ok, bah du coup je transmettrai le message, j'enverrai un mail tout à l'heure. Ok, merci Fab, je serai sur le webinaire tout à l'heure. Oh là là, le dollar, c'est dingue. Comment s'est passé le trade aujourd'hui? Là, j'ai pas tradé aujourd'hui pour le moment. Peut-être que j'ai tradé en fin de journée, voilà, j'attends. Rien n'a changé. Hein. Et toi, t'as pris des choses aujourd'hui? Non, mais j'ai des positions qui étaient ouvertes. Attends, je vérifie mes positions. Oui, j'ai des positions sur l'or. Ouais, ça sent bien. L'or, je l'ai pris en vente. Je l'ai pris en vente à 1230. Je sais pas si ça va. Je crois qu'il va encore descendre là, mais je le laisse là sur position. Je n'ai que ça comme position actuellement. Ok, et c'est sur des critères techniques ou. C'est fondamental, ta prise de position à la vente sur l'or? Moi, j'ai pris sur. Non, mais de toute façon, en technique fondamentale, ça se rejoigne. Pour moi, l'or ne va pas monter avec la politique de Janet Yellen et l'accélération de Mario Draghi. Je pense que c'est pas le moment que l'or reprenne. D'accord. Tant que j'ai suivi la tendance baissière du daily. Pour moi, ça va encore descendre, encore pour moi. Et du coup, tu t'attends à une baisse de combien sur l'or? Quel niveau tu vises? L'or il peut aller. Attendez, je te montre. L'or il peut aller un peu. Non. Jusque. Pour moi, il peut aller jusqu'à 1000. Attendez. L'or en dollars. Hein. Ouais, ouais. Il peut aller jusque. 1178. Pourquoi il n'y va pas alors qu'il est sur 1222? Tu dis 78 ou 1178? 1178. 1978? Non, 1100. Ah oui, 1178, oui, pardon.
Donc ce serait en fait un peu plus haut que les plus bas qu'on avait marqués au plus bas de 2013, en fait, au plus bas de juin 2013. Oui. L'or y va, moi je suis sûr. Parce que le dollar, il a pris trop d'envol, hein. Il a monté trop le dollar. Et l'or n'a pas encore fini de... Il a largement le temps, l'or. Regarde le dollar, ça s'envole, franchement, c'est clair. Ça s'arrête pas, ça. Oui. Tu penses qu'on fera quoi si on revient sur ces plus bas? Est-ce que tu penses qu'on va les casser pour accélérer? Ou est-ce que tu penses que ce sera en fait une zone de support, une zone tampon sur laquelle les acheteurs pourront revenir sur l'or? C'est support. Mais du coup, c'est une zone de support. Tant qu'il y aura un rebondissement, et, ça va rebondir là. C'est clair, ça va rebondir là. Peut-être il va faire un petit peu d'excès pour nettoyer avant de rebondir, mais ça va rebondir là pour moi. D'ailleurs, là, on voit aujourd'hui qu'on a eu une hausse significative et que finalement, ça s'est transformé en mèche, donc la hausse n'a pas été validée. En M5, c'était assez violent, c'est pas de la folie, mais très grosse hausse ce matin, très rapide, surtout deux bougies majeures en M5. Et finalement, ce mouvement de hausse s'est rapidement corrigé, donc des faux signaux, pas évident, en tout cas, d'appliquer une stratégie classique avec ce contexte. C'est à cause de ce truc en Syrie et le truc fiscal de Barack Obama, là. Ah oui? Ouais, je pense. Ça a un impact là. C'est à cause de ça. Ça va pas plus loin que ça. Ça n'a pas changé la tendance. Je n'ai pas encore regardé sur Elliott, mais je veux voir sur Elliott comment ça se fait. Non, je ne sais pas encore. Mais ça va aller sur 1200 minimum. C'est sûr. C'est sur 1200. Ouais, 1200. Il a cherché. En fait, il a essayé de buter 1235, il n'a pas pu. Donc, les vendeurs là reprennent la main pour descendre plus bas que 1207. En tout cas, il y a un peu de pression là, on va voir ce que ça donne. Oui, je pense. Et ton point d'entrée, il a combien? Je suis rentré exactement 1230, tiens. Ok. Et donc c'est uniquement ta position ou tu as d'autres choses? Non, c'est unique là maintenant aujourd'hui. Je n'ai que ça aujourd'hui. Ok. Tu vas la garder en overnight. Je pense pas que tu vises 1178 aujourd'hui. Donc tu non. Combien de temps à atteindre ton objectif? Non. Moi, je bascule sur weekly. Et quand le weekly arrive à 1180 autour en weekly, je coupe la position en daily. Ok, ça marche. Ok, bah écoute, merci Livard pour ton intervention. Si tu as des signaux ou tu veux prendre la parole pour t'exprimer sur un sujet, n'hésite pas à m'appeler. Oui, ok. Je serai là sur le webinaire ce soir. Merci Fab. Allez, à bientôt. À bientôt. Voilà, donc Liva, qu'on avait l'habitude de retrouver souvent avant, qui traite toujours, donc, et ça faisait un moment que je ne l'avais pas eu. Alors, RIP qui se moquait des résultats de certains au concours de trading, vous avez les résultats, ils ont été diffusés, il y a eu la photo des résultats également qui a pas mal tourné. Après, ouais, comme on dit, la critique est facile, l'art difficile. Les mecs, déjà les 16 traders qui ont participé au concours avec 50 000 euros réels, moi franchement je trouve ça vraiment intéressant et assez courageux de leur part puisque c'est du concret. Après, est-ce que c'est tout à fait significatif par rapport au vrai trading? J'ai déjà dit que je pense pas et qu'il y en a beaucoup qui ne pensent pas non plus. Mais ça donne quand même des vraies indications sur les méthodes de travail de chacun, donc c'est super intéressant pour des gens qui suivent ça, voilà, de voir ce que fait chacun, la manière de travailler, les templates, les setups, et au final on voit quand même que année après année, les meilleurs sont souvent les mêmes, les 8 à 4 meilleurs traders, on retrouve souvent les mêmes, donc c'est certainement pas un hasard puisque ça se fait au fur et à mesure des années, donc c'est vraiment une bonne chose. Après, si toi ta logique c'est de te moquer des gens qui ont des mauvais résultats, bah bon. Déjà, dans la vie, on peut choisir de faire ce qu'on appelle du trash talking ou de mal parler sur les gens ou d'être arrogant. Encore faut-il avoir une légitimité, donc n'hésite pas toi à t'inscrire et à participer au concours si tu veux mal parler des gens. Si tu fais rien par contre et qu'on ne s'est pas quitté,
t'as aucune crédibilité, ta critique vaut pas grand chose. Un peu qui dit n'empêche, le petit concours de vendredi, c'est bien. Chapeau m'appelle d'avoir organisé ça, effectivement, ouais. Chaque année, depuis des années, il organise ça, et c'est un beau projet, c'est intéressant, c'est du concret. Donc il vient s'ajouter aux conférences plus théoriques. C'est une bonne chose. Donc il disait... Mao qui disait, quand on ne sait pas trader, on ne monte pas ses résultats, après il faut accepter les critiques, disait Mario. Je sais pas, tu disais ça par rapport au concours ou tu disais ça par rapport à moi, Mario. Voilà, bah, très bien. Les critiques, c'est pas la question de les accepter ou pas, elles sont là par le fait. Après, je défends aussi ce que je fais, parce que... Voilà, tout simplement. Donc, ça, on avait vu. Nico était vendeur à 4500. T'as pas vendu le cacounet, disait Phil à Liva, effectivement, qui avait l'habitude de participer avant, et notamment de parler du cac. En général, disait Mario. Bah ça, c'est ta vision, moi, c'est pas la mienne. Moi, pour moi, c'est très bien le partage, la transparence. Et voilà, partager ses résultats. À partir du moment où tu dis pas aux gens, bien sûr, si t'es arrogant et que tu dis, regardez, je suis un boss, je gagne plein d'argent et qu'après tu perds, là, je comprends que tu puisses être un peu ridicule. Mais si tu dis, voilà, je trade, je gère mon compte, je partage mes résultats pour telle ou telle raison, sans aucune arrogance et... Voilà, je trouve ça très bien, et que ça se passe bien ou mal, c'est intéressant pour tout le monde, c'est positif. Et voilà, après chacun fait son truc. RIP, tu parlais beaucoup. Je pense que ce qui parle le plus, plutôt que de baver sur moi, c'est de regarder les résultats que je diffuse, justement, depuis un an maintenant, notamment chez JFD. Avant, il y avait également eu de bons résultats chez Active Trades, que j'avais diffusé. Tout est disponible dans la partie stratégie trading pour ceux qui sont intéressés. Et sinon, ici, donc tu vois mon compte personnel depuis le mois d'octobre, qui s'est vraiment bien passé pendant des mois. Et depuis que j'ai eu l'ouverture du compte mutualisé, on a eu des résultats qui ont continué à évoluer dans le bon sens un premier temps, puis une phase de correction. Donc maintenant, toi, tu choisis de te concentrer sur la phase de correction et la phase de perte, et donc d'insister sur ce fait-là pour essayer de me discréditer, en omettant une période plus longue. Donc après, c'est un peu comme si, par exemple, Zlatan Ibrahimovic qui a fait un mauvais match... ce début de semaine là, c'était dimanche soir je crois, le match contre c'était contre Lyon, tu dis c'est un nul, tu montres que ce match là et tu dis regardez c'est un gros nul, il rate tout ce qu'il fait, etc., en omettant l'ensemble de sa carrière. Après c'est un choix, moi je trouve ça juste mal, de mauvaise foi en fait, et c'est plus à mon avis des gens qui sont jaloux ou des frustrés, et donc du coup ils cherchent à casser du sucre sur les gens sans être dans la bonne volonté, sans vouloir être dans l'esprit de partage et de progrès. Après, moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Mais c'est ce que je pense de toi, en tout cas, par exemple. Alors, on va continuer à prendre de l'information, à voir un peu ce qui se dit à droite à gauche. Le Market Live d'IG France, qui était en cours. Des points réalisés du côté de chez Ducas Copy. On avait écouté déjà des points du côté de la Suisse avec investir.ch tout à l'heure. Chroniques vidéo sont nombreuses hein, maintenant. La vidéo s'est largement développée. Chaque jour, beaucoup d'analyses, beaucoup d'intervenants qui donnent leurs avis. Il y avait un live de produits de bourse animé par trois professionnels du côté de chez BNP. On va pas écouter ça tout de suite, mais peut-être tout à l'heure. 16h25, ça commence à faire tard, ça bouge bien du côté de l'Eurodoll. Les États-Unis sont-ils à nouveau la locomotive du monde?
On voit que les États-Unis publient de bons chiffres malgré des inquiétudes et du scepticisme quant à leur publication de la part de certains analystes. Et bien, on écoute le point de Xerfi à propos de l'économie américaine. Le monde, et tout particulièrement l'Europe, a les yeux tournés vers les États-Unis. Et pour cause. Avec un PIB en hausse de 4,2% en rythme annualisé, la déconvenue du premier trimestre a vite été effacée. Le pays se dirige vers une croissance de 2,1% sur l'ensemble de l'année, après déjà 2,2% en 2013. Cela a l'apparence d'une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle même pour les Européens, tant les deux économies sont liées. La conjoncture américaine précédant généralement de 2 à 3 trimestres l'activité en Europe. Mais attention, le lien est tout sauf mécanique, et il s'est peu à peu distendu. Et c'est bien notre crainte à Xerfi. La capacité d'entraînement des États-Unis est remise en question. D'abord, parce que le moteur même a perdu de sa puissance. C'est ce que montre l'évolution, sur longue période, du PIB américain. Du milieu des années 80 jusqu'en 2007, la croissance progresse de 3,1% l'an en moyenne, malgré les incidents de parcours au début des années 90, avec la guerre du Golfe, puis au début des années 2000, après l'éclatement de la bulle Internet. Mais ce qui change, cette fois-ci, c'est que la crise de 2008-2009 semble bien avoir altéré le potentiel US, les États-Unis tombant à un rythme de croisière proche de 2% seulement. Un moteur moins puissant, c'est une capacité d'entraînement moins forte. Mais ce n'est pas tout. Les composants de la croissance se sont également déplacés. Longtemps consommateurs en dernier ressort, les États-Unis, par leurs importations, diffusaient au reste du monde leur dynamisme. Un modèle totalement déséquilibré, dont la conséquence fut une dégradation sans fin du déficit courant. Un déficit tombé à près de 850 milliards de dollars courant 2006, soit environ 5% du PIB de l'époque. Si la remontée de 2008-2009 doit pour beaucoup à l'effondrement des importations, crise oblige, il faut voir dans la poursuite du mouvement la marque d'un modèle de croissance moins déséquilibré et beaucoup plus recentré. Et cette année, le déficit courant sera ramené à 2,4% du PIB, alors même que le décalage conjoncturel des États-Unis avec le reste du monde devrait l'aggraver. Autrement dit, la croissance américaine sollicite un peu moins le reste du monde. Plus fourmi, moins cigale, les Américains ont mis le holà sur leurs dépenses à crédit. Comme le montre l'évolution de la consommation sur longue période, le rythme tombant de 3,4% dans les années fastes à 2,2% aujourd'hui. Mais les États-Unis ont aussi mis le cap sur la réindustrialisation, en misant sur des choix énergétiques radicaux, en jouant sur le faible niveau du coût du travail, principalement dans les États du Sud, avec en bout de course une production industrielle en hausse qui a restauré puis dépassé son ancien record. De quoi mettre sous tension le parc de machines existant et relancer l'investissement. Dans un monde dynamique, cela ne pose aucun problème. Mais dans un monde en surcapacité, une offre additionnelle, c'est plus de pression sur les marges. C'est plus de pression déflationniste. C'est aussi une configuration où ce qui est gagné par les uns est perdu par les autres. La croissance revient aux États-Unis. C'est une bonne nouvelle, du moins pour les Américains et eux seuls. Voilà, donc mon compte a bien été activé, mais au-delà de ça, de toute façon, c'était une erreur de ma part. Je pensais que c'était un mot de passe par défaut, et il fallait que j'utilise le mot de passe que j'avais défini pour me connecter. Donc tout est rentré dans l'ordre, j'ai pu me connecter. Alors, je vais traiter surtout le CAC 40, là, durant cette semaine de test de ce courtier, de cette plateforme. Plateforme que je connais bien, puisque c'est MT4. Voilà. Et donc, il faut que j'affiche mon graphique en chandelier. Et voilà. Ok. Oui, puisque le CAC 40 est proposé avec 0,8 points de commission chez JKFX. Donc, bah vraiment un spread de commission faible. Donc particulièrement intéressante.
Ok. Par contre. Ouais. Je vais tester la valeur du point sur un compte démo pour faire de bêtises. Incoming mail. Ok. Donc un lot sur le CAC, c'est 1 euro du point, très bien. Bonne exécution a priori, mais là c'est du démo. Et pas de commission super interne. Donc, franchement, c'est une bonne offre sur le CAC 40, ça va être intéressant à traiter. Et donc moi, je ferai vraiment du court terme. Que je prendrai des positions de 5 euros du point, je viserai 2 points en général. Je vais essayer d'être cohérent. Alors là, actuellement, je suis en H1 sur le CAC 40. Si on se met en graphique journalier, voilà, on voit la dynamique de fond haussière comme sur l'ensemble des marchés actions depuis longtemps maintenant, depuis le mois de mai 2012. Ce qui ressort ici sur le graphique. On a une belle pression baissière aujourd'hui, avec des vendeurs là, qui ont mis une certaine pression. Si je reviens ici en M5, on a de l'hésitation. On est dans des zones plutôt d'accélération. Si on bascule en M15 ici, on voit qu'on a cassé des plus bas significatifs. Voilà, ici. Donc après, est-ce que le mouvement va se poursuivre? Est-ce qu'on va avoir une phase de correction? Telle est la question, 16h32, donc on n'attend plus beaucoup de mouvement cette fin de journée. Qu'est-ce qui se disait? Qu'est-ce que je vais regarder déjà? De sur Forex. Ah oui, voilà, la valeur absolue de variation du CAC. Sur Forex Factor, on n'entend plus de nouvelles majeures. À 20h, on aura un membre du FOMC, donc Corche Lakota qui parlera. Et en valeur absolue, on a un CAC qui perd aujourd'hui 1,58%. Donc c'est une journée de baisse très significative, avec une grosse accélération, notamment depuis ce matin. Donc là, des vendeurs qui essaient de revenir. Ça presse. Les acheteurs qui reviennent. Ensemble, ce sont les vendeurs qui prennent en main le marché là. Les vendeurs qui tirent un peu, il n'y a rien de fou, mais
Là, on a des zones qui ont déjà été travaillées. Donc ici, on graphique une minute, donc ça remonte du court terme. Si je dresse le plan cet après-midi, c'est pas mal, là, ça remonte, j'achète. On va voir. Donc les différentes zones qui ont été travaillées. On a la zone la plus basse, donc quand on était à moins 1,56%, tout en bas là. La zone actuelle, c'est pas une zone d'accélération. On voit qu'on est resté bloqué plusieurs fois dedans. La phase d'accélération, elle s'est vraiment jouée ce matin. Là, on est plus dans de l'attente. Là, les vendeurs essayent de revenir. Ils n'ont pas un grand... une grande force. Tout de suite, ça faiblit et on a de la distribution. Donc, on n'a pas des phases d'accélération, des décrochages francs. On est déjà bien bas sur l'ensemble de la journée. Est-ce qu'en cette fin de journée, on va avoir une poursuite du mouvement de baisse? Pourquoi pas, c'est tout à fait possible. Il faudra savoir prendre la décision conforme à cela si ce scénario se produit. Pour le moment, ça me semble plutôt cohérent d'acheter, à voir ce que donne ce mouvement. Alors juste, il faut que j'ajoute un robot qui va me permettre de prendre mes bénéfices ou de définir mes objectifs automatiquement. Je vais mettre sur la plateforme parce que c'est une nouvelle plateforme là. Alors. Voilà, j'ai pu installer mon Expert Advisor qui me permettra de plutôt m'occuper de la prise de bénéfices puisque celle-ci sera définie automatiquement à 2 points. Ok, donc là, un peu de mouvement, 16h39, on tente plus de nouvelles majeures, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Les acheteurs qui essaient de revenir, ça fait deux fois qu'on va chercher un point. Mon point d'entrée, moi, il est à 4369.6, ça fait deux fois qu'on va chercher un point de profit, sans accélérer davantage. Le risque que j'ai, c'est d'être contre la dynamique de fond. On est sur des indices boursiers, donc c'est rare qu'on ait des journées à plus de 2% de variation, on est déjà à 1,58%. Voilà, après il faut être cohérent, savoir ce que l'on fait. Voilà, les marchés restent chaotiques, c'est une position contre tendance, donc toujours délicate. En tout cas, la dynamique de fond est assez significative puisque si on regarde en M5 depuis les plus hauts qu'on avait marqués le 18 septembre, voilà ce que ça nous donne.
Ok. Donc un retracement de 23,6% lors de la phase de correction de cet après-midi. Et donc une dégringolade de 4 496 points jusqu'au plus bas à 4 349 points. Actuellement, donc comme je disais, ici on a un graphique M5 et non plus M1. Une phase d'hésitation au sens simplement voilà, ralentissement, il n'y a pas de grosse accélération baissière comme c'était ce matin, mais une dynamique de fond toujours franche. Tant qu'on est sous le 23,6%, la dynamique n'est pas remise en question. Donc si les vendeurs reviennent clairement, il faudra prendre des décisions assez rapidement. Alors justement, le CAC, bah, il est analysé régulièrement par pas mal d'analystes. Ici, en journalier, on voyait la bougie significative au sein d'une dynamique de fond haussière, mais quand même d'hésitation depuis plusieurs mois maintenant. Hein. Si on regarde depuis fin 2013, finalement, il n'y a pas de vraie tendance. On est plutôt haussier, mais pas de vraie accélération. On passe en territoire légèrement positif. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, par exemple, eh bien, dans le cadre des matchs des traders, chaque jour, on écoute les seuils. On va aller voir maintenant qu'on a le recul sur la journée. Ce qui se disait ce matin ne sera pas très intéressant par rapport au trading là, mais ce sera intéressant pour a posteriori ce qui se disait et qui a eu le bon scénario. Chaque jour, on retrouve Jean-Luc Pussac, qui était présent d'ailleurs au salon, qui a participé à des débats, qui a répondu à des questions dans le cadre d'une interview vraiment intéressante. On va écouter le match des traders. Les acheteurs essaient de mettre un peu de pression, tant mieux. Jean-Luc Cussac, ce jour, était face à Giovanni Filippo de Bourse Direct. On écoute sa chronique et on va regarder les seuils qu'il nous donnait. En voyant notre mine les passants dans la rue nous envient, c'est si bon de guetter dans ses yeux un espoir merveilleux. Renault Clio et votre cœur bat plus fort. BFM Business, intégral placement. Le match des traders. Deux traders sont à votre service chaque matin pour vous donner les clés techniques graphiques de la tendance. On est ce matin avec Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance Conseil, également avec Giovanni Filippo chez Bourse Direct. Bonjour messieurs. Bonjour tout le monde. D'abord, Giovanni. Ça y est, prise de bénéf sur le CAC 40, donc sortie du marché, avec ces achats qui sont légèrement revenus. Voilà, suivre, je reviens ici en graphique une minute pour voir exactement. Donc voilà, effectivement, de l'hésitation. Pour l'instant, pas de prise de position, je surveille. Ce qui pourrait me faire prendre position, ce serait une accélération haussière significative et des marchés qui commenceraient à tergiverser. Là, ce serait intéressant à vendre. Après, si on doit accélérer à la baisse, un peu comme là, ce qu'on a eu. C'est-à-dire, tant qu'on n'est pas dans des zones d'accélération comme ce matin, vu qu'on a déjà fait une grosse journée, je pense pas qu'on va avoir de variations majeures, à la limite plus du côté de la correction. Ceci dit, rentrer sur une phase de correction dans le sens de tendance de fond, c'est plutôt pas mal. On peut après moduler sa taille de position, prendre plusieurs positions, etc. Donc voilà, pour le moment, dehors du marché, là, on a plutôt des marchés qui bougent et je vais essayer de choper des points intéressants. On écoute ça. Philippot, comment prenez-vous les choses? On voit qu'on a cassé les 4 400 points. Ça peut nous entraîner plus vite, plus loin, ou ça n'est qu'un épiphénomène, ce seuil? Bah écoutez, j'ai l'impression d'avoir fait un bond d'une semaine en arrière. La semaine dernière, quand je suis passé à votre antenne, on était déjà sous les 4 400. À l'époque, j'avais un billet acheteur au-dessus de 4 390. Hein. Voilà, derrière, le marché avait confirmé, si vous voulez, l'analyse que j'avais faite en rebondissant d'une centaine de points. Derrière, on a eu effectivement un retour de bâton avec une configuration qui invitait à un comeback sur la précédente oblique baissière dans laquelle le CAC était inscrit depuis quelques jours. Donc on vient de toucher
ce matin ce niveau-là, 4379, 4372 sur le futur octobre, c'est à surveiller de très très de près. Donc pour l'instant, je prends le risque, je dirais, d'acheter sur ce niveau-là avec un stop sous 48, tout en... Alors là, on a des vendeurs qui reviennent, donc tout de suite, ça invalide. Et on revient dans la zone qu'on a pas mal travaillé là depuis tout à l'heure, toujours en graphique 1 minute ici sur le CAC 40. Ça, c'est une bonne zone. Elle est sympa, on a pas mal travaillé. Donc voilà, je suis attentif. Je pense que c'est en accélération, donc je vais pas entrer sur l'accélération, mais... Conservant un billet vendeur sous 4425, parce que ce matin on a vu que dès l'ouverture, un pré-signal de vente a été activé sous 4425. Donc pour renforcer ce billet négatif en intraday, il faudrait casser la zone 4379-4372. Pour aller chercher quoi? Pour aller chercher ce que tout le monde attend depuis des semaines, la zone 4325 peu ou prou. Voilà. Donc même si un certain nombre de questions fondamentales ont trouvé, je dirais, des éléments de réponse ces derniers jours, c'est vrai que la réaction, elle reste très mesurée sur l'indice parisien. Pour l'instant, on va dire que le courant positif généré par le train de mesures annoncées par la BCE a trouvé un écho modéré. Donc on risque de continuer comme ça pendant des mois dans un scénario fait de contre-pieds, de tergiversation, parce que moi j'estime déjà que depuis près d'un an, après que l'on ait atteint les 4350 en octobre 2013, j'estime que la phase d'investissement avait trouvé son objectif à l'époque, et depuis on est rentré dans une phase de spéculation. D'accord. Voilà, donc on est dans un marché qui spécule sur l'avenir, en fonction de considérations que l'on connaît, les banques centrales sont garantes du modèle économique. Une majorité du marché, je dirais pour l'instant, a un avis positif vis-à-vis de ça, pensant que à terme, des indications économiques seront meilleures, mais il faudra certainement attendre des mois. A contrario, on a une autre partie du marché qui se joue des questions géopolitiques, politiques, etc., etc. Et donc, on a ce va-et-vient perpétuel et ça risque de durer encore pas mal de temps. Oui, et toujours autant de doutes sur les marchés européens. Tout à l'heure, les experts de Louis Capital Markets nous disaient qu'ils abaissaient leurs estimations pour les marchés européens. Ils passent même de neutre à négatif sur les marchés européens. On a des PMI ce matin pas très très encourageants sur la France. Jean-Louis Cussac, avec tout ça, on voit le CAC reculer sous les 4004, moins 1,2%. Vous vous dites que cette baisse, il faut la mettre à profit pour rejouer l'achat, ou au contraire, on est sur un mouvement de baisse qui pourrait se montrer cette fois-ci plus profond? Je sais pas. Moi, je fais pas grand-chose. C'est pas un grand moment. Je parle depuis déjà quelques temps d'un pourrissement de la situation. Vous voyez, c'est exactement ce qui se passe. On a presque un marché qui a un petit peu laissé de côté. Il n'y a pas d'intérêt directionnel. Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas de flux. Il n'y a pas d'idée forte. Vous vous souvenez quand je disais, il n'y a pas d'idée sur laquelle on pourrait faire des paris? Eh bien, c'est ce qui se passe. Et le peu qu'il y a eu comme annonce, eh bien, il n'y a même pas eu de relais. Il n'y a rien eu du tout. On est allé chercher pratiquement les 4005 sur septembre et puis on a rebaissé. Là, aujourd'hui, on a Total qui distribue un dividende, donc il y a 0,13% de baisse. 0,13%, c'est Total, donc ça fait 6 points d'indice environ. Pour le reste, qu'est-ce que je remarque? Il n'y a pas non plus de fuite en arrière, enfin, il n'y a pas de vente forte sur les actions du CAC 40. En revanche, sur le groupe B, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus de ventes. Regardez Valeo, Arkema, ça, il y avait des sociétés qui n'étaient pas très bien orientées, avec quelques petites pressions à la vente. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire. On a envie de dire que ça pourrait aller beaucoup plus bas, bien sûr. Pourquoi pas à terme, enfin d'ici quelques jours vers 4003, mais non, l'indication n'est pas là. Il n'y a pas d'indication forte. Aujourd'hui, peut-être qu'on pourrait aller chercher à les 4370, c'est un peu l'idée. Pourquoi pas? Mais on a même cassé légèrement le plus bas de mardi dernier, hein, et on n'a pas eu de relais. Vous voyez, il n'y a pas eu de vente de spéculation. Donc l'idée, c'est de travailler une zone, peut-être 4370, et maintenant qu'on est baissé, on a baissé d'un cran, peut-être 4405. Donc moi, je suis... Ouais, sur Rodolphe, sur le CAC 40, toujours la même logique que tout à l'heure. Donc dans cette zone d'hésitation, position à l'achat, on a des vendeurs qui essaient de prendre le marché qui faiblissent, on est déjà très bas sur la journée, ça tergiverse, ça distribue, donc les vendeurs ont du mal à prendre le marché. On va voir si les acheteurs parviennent à revenir les embêter comme ils l'ont fait à plusieurs reprises ces dernières minutes. Un achat. On écoute la suite du point de Jean-Louis. Placé là sur des petits achats que je viens de faire vers 4403 pour ressortir, continuer à accumuler des petits écarts, mais il n'y a pas d'idée forte à jouer
aujourd'hui et depuis déjà quelques jours sur les marchés. Voilà, merci beaucoup à tous les deux pour ces indications très précises sur l'évolution des indices et la situation technique. Et puis, Guillaume, tiens, on a peut-être quelques auditeurs, quelques téléspectateurs qui sont passionnés de trading. Ils peuvent d'ores et déjà concourir. Oui, concourir pour les talents du trading. C'est la troisième saison qui va démarrer cet automne sur BFM Business, tous les après-midi dans Intégral Bourse. Si vous souhaitez participer à cette saison 3 des talents du trading, il va y avoir un grand casting fin octobre pour vous inscrire à ce casting, passer les qualifications. N'hésitez pas, inscrivez-vous sur lestalentsdutrading.fr. Vous passerez les qualifs et peut-être serez-vous retenu pour le grand casting fin octobre, donc de cette saison 3 des talents du trading sur BFM Business. Voilà, je rêve d'une banque. Attention, pas une. Déjà en positif. On va voir si ça reprend. On est à mi-chemin. Allez, on est très proche de la sortie. 8, 10, ça y est. Clôture. La prise de bénéf de nouveau. Putain, ça me saoule par contre ces flèches qui apparaissent. Je sais pas comment les enlever. Donc voilà, ça se passe plutôt pas mal pour le moment. Après, en termes de pourcentage et de la taille des positions par rapport au capital, c'est des risques élevés. Donc encore une fois, j'insiste que là, c'est un compte personnel. Je vais gérer ce compte avec une psychologie qui est proche de ce qu'on peut avoir sur tout type d'investissement dans lequel on met quelques centaines d'euros. Ça peut être sur du poker en ligne, des paris sportifs, du turf, je ne sais pas. Donc bien sûr, c'est agressif. Ici, je bénéficie de très bonnes conditions. 0,8 pip sur le CAC 40. Ça me permet de faire du court terme. Voilà, j'essaie de montrer un truc sympa. Après, oui, la prise de risque, il y en aura. Pas de soucis. Je vais diffuser les résultats du compte. Je mettrai en place le magnifique book ce soir. Comme j'ai dit, je ne pense pas le garder longtemps. Hein. Je pense que je vais le garder jusqu'à la fin de la semaine et ensuite je vais retirer l'argent. Mais voilà, ça va être intéressant à suivre. Donc là, on est dans une petite zone qui est pas mal distribuée. On revient toujours dans les mêmes points, donc c'est bien. Après, ça ne va pas durer 107 ans. 16h52, après, on va approcher du fixing et de la clôture en Europe. Donc ça sera des vecteurs potentiels de mouvement. Il faudrait faire attention. Oui, en fait, ce que je voulais dire, en fait, c'est ce type de compte, ça sert à rien de parler en pourcentage. Enfin, ça sert à rien. Finalement, c'est la même logique, donc on peut l'adapter, mais c'est pas ça qui est derrière. Là, à chaque fois, j'ai cherché 10 euros. 10 euros sur 500 euros, c'est 4%. C'est 2%, pardon. Donc là, j'ai déjà fait 4%. Pourtant, voilà, forcément, quand t'es à 500, tu peux te permettre de risquer 100, c'est pas la fin du monde. Quand t'es sur un compte, par exemple, à 100 000 euros, comme je gère le compte mutualisé, si tu vas prendre une perte de 4%, c'est 4000 euros, c'est tout de suite une autre dimension. Donc il faut mettre en relation quand même la valeur avec le prix, même si au final, avec voilà, l'argent détenu, même si au final la logique de trading reste la même. Bon, pas grand chose, les vendeurs qui essayent de revenir, mais sans grande force. Cet argiverse, je vais retaper le même point. Hein. Jouer la même logique. Pour le moment, ils sont forts, donc je rentre pas. S'ils cassent les précédents plus bas, tant mieux pour eux qu'ils continuent. Et une fois qu'ils faibliront, je garde la même logique. Moi, a priori, tant qu'on est au-dessus des précédents plus bas de la journée, je garde plutôt une logique haussière. Pas folle, mais plutôt haussière. Mais là, ça tergiverse. Hein. Achat. Si on doit accélérer. On va voir. Donc là, absolument la même logique. Hein, c'est-à-dire, les vendeurs essaient de venir. Dans une zone qu'on a déjà travaillée. Ça tergiverse un peu. Tout de suite. Prise de position. Pour jouer un retour des acheteurs.
Voilà, pour le moment, les vendeurs prennent le dessus. Cette fin de journée, 16h55. Ils sont contre tendance. Donc, être méfiant. Hein. Il y avait un point de Xerfi Canal sur le pouvoir d'achat et notamment les mesures de la CICE. On écoute ce point. Trop ou trop peu, que doit-on penser de l'évolution des salaires aujourd'hui ? Le ralentissement des salaires est-il en train de nous faire glisser lentement mais sûrement sur la pente de la déflation ou bien la progression des salaires encore positive est-elle en train de consumer un peu plus notre compétitivité coût ? Pour y répondre, encore faut-il s'y retrouver dans la cacophonie des chiffres. Commençons d'abord par le salaire mensuel de base. Celui-ci délivre une information clé sur l'évolution des salaires à qualification constante. Il n'intègre pas les primes, mais en revanche, il est sensible aux heures supplémentaires. Disons grosso modo que c'est la hausse que constatera un individu sur sa feuille de salaire s'il ne change pas de poste, ne progresse plus et ne touche pas de rémunération variable. Que nous dit cet indicateur ? Que jamais la progression des salaires n'a été aussi faible en France. Le salaire de base progresse au rythme de 1,4% l'an à la mi-2014. C'est faible, mais cette évolution doit être mise au regard de l'évolution de l'inflation. Et l'inflation n'évolue plus aujourd'hui qu'à un rythme voisin de 0,5%, un de ses plus bas historiques. Ce qui signifie que le pouvoir d'achat du salaire réel continue à croître à un peu moins de 1%, un rythme qui est proche des tendances de longue période. Regardons ensuite le salaire tel qu'il est mesuré dans l'indice du coût du travail de l'INSEE. Celui-ci est horaire, il intègre les primes et les rémunérations annexes et est sensible à la structure des qualifications. La tendance est à nouveau proche de 2% au second trimestre. Là aussi, le rythme est faible dans l'absolu, mais cet indicateur confirme que même en tenant compte de la composante variable du salaire, les salariés en place voient le pouvoir d'achat de leur salaire progresser. Au final, dans un contexte de déflation des prix à la production et de très fort ralentissement des prix à la consommation, les salariés sont relativement préservés. Il faut alors s'interroger sur ce qui a permis aux entreprises de baisser leurs prix sans reporter intégralement l'ajustement sur leurs salariés, alors même que leur marge était au plus bas. Cette équation ne trouve de solution que si une partie du CICE a été utilisée pour amortir la rigueur salariale. Il est bien sûr beaucoup trop tôt pour faire un bilan du CICE. Les premières enquêtes réalisées par l'INSEE semblent indiquer que son allocation est très variable, se partageant entre l'emploi, les prix, les salaires et l'investissement. Autrement dit, l'arme clé du gouvernement pour remettre sur les rails la compétitivité de nos entreprises semble se muer en dispositif multifonction, tout autant soutien au pouvoir d'achat que soutien à la compétitivité ou à l'investissement. Par cette polyvalence, il fait surtout office de corde de rappel face au risque de dévissage particulièrement aigu que connaît notre économie aujourd'hui. C'est la conséquence logique de son ciblage large et du fait qu'il bénéficie majoritairement à des secteurs protégés. Ces secteurs disposent d'un degré de liberté plus grand dans l'allocation du crédit d'impôt et sont moins enclins à le répercuter sur leur prix de vente ou à l'affecter à la restauration de leur marge. Les puristes regretteront le côté tout en un de la réforme. Mais si le CICE n'est sûrement pas la meilleure arme en faveur de la compétitivité, il permet au moins de sauver les meubles dans une période particulièrement critique. Voilà le point sur le CICE. Alors pour le moment, une perte de... donc mon point d'entrée est à 4368,6. J'ai mis le stop au-dessous des précédents plus bas. Mettre également un ordre inverse si on doit aller chercher ce niveau. Tant qu'il n'est pas 17h30, on peut avoir du mouvement, on peut s'énerver un peu avant l'application, avant la fermeture. Pour ne pas reprendre un point d'entrée plus bas, je ne vais pas me presser non plus et me surcharger inutilement, on est quand même encore très proche du point d'entrée, puisqu'on compte actuellement 4361 points, donc à 7 points du point d'entrée. Mais effectivement, une phase de correction, une journée qui est quand même particulièrement volatile, donc il faut être méfiant et prendre ses dispositions, c'est pour ça que je définis le stop sous les précédents plus bas. J'avancerai mon ordre si on doit accélérer
au risque peut-être de me faire piéger sur un plus bas. Ça, c'est toujours possible. Mais de toute façon, le trading, c'est qu'une question de compromis. Il n'y a jamais de prise de position certaine. Voilà. On revient dans la zone qu'on a pas mal travaillé, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc on voit qu'on est resté bloqué dedans ensuite entre 13h14 jusqu'à 15h30, en fait, jusqu'à l'ouverture des marchés US. A priori, ça m'étonnerait que les vendeurs cassent cette zone sans aucun mal, s'il n'y a pas de raison vraiment derrière, si c'est purement technique. Donc voilà, à suivre. Acheteurs qui reviennent, rien de flagrant, pas de gros décalage, on reste dans les zones qu'on a déjà travaillé cet après-midi, 17h01, donc encore une demi-heure de cotation en Europe, pas encore un peu de mouvement jusqu'à 18h, mais ce sera tout, ce sera une petite journée. Achat de nouveau. Ils ont du mal, les vendeurs, à s'imposer et on est toujours au-dessus des précédents plus bas. Quand je dis ils ont du mal à s'imposer, ils dominent hein, les vendeurs, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, simplement qu'on est toujours au-dessus du précédent plus bas et qu'on marque voilà, plusieurs bougies dans la même zone de la distribution, donc qui indique plutôt une faiblesse du mouvement. Et sinon la logique derrière, c'est toujours qu'il est tard, qu'on a déjà marqué une phase de baisse tout au long de la journée, donc ce qui devait être pricé et ce qui a conduit la baisse, bah, c'est déjà compris dans le cours, a priori, hein, c'est ma logique, et en cette fin de journée, on pourrait plutôt avoir des petites phases de correction. C'est très rare qu'on ait des journées à plus de 2% de variation, en plus ces derniers temps, c'est encore plus vrai. Ça peut arriver, le jour où ça arrive, il faut mieux se protéger, puisque c'est là où ça peut faire très mal si on fait n'importe quoi. De toute façon, si ça doit se passer, bah, pas de souci. On sera vraiment dans une journée d'excès, si ça doit se passer. Hein. Comme je dis, voilà, il n'y en a pas beaucoup, des journées qui sont à, même en ce moment, 1,50%, c'est plutôt une grosse journée en termes de volatilité. Si on doit casser les précédents plus bas et accélérer, je coupe mes positions acheteuses et je passe vendeur, donc je serai dans le sens du mouvement. Donc voilà, plutôt cohérent d'après moi. J'ai mis l'exposition plus forte sur ma position inverse si on doit être stoppé et que les vendeurs doivent prendre en main le marché que les positions acheteuses actuellement. Gardons à l'esprit que ça reste des positions contre-tendance, contrariantes. Je préfère donner plus de valeur à des positions dans le sens du mouvement qu'à des positions qui vont contre ce dernier. Voilà. Donc là, pour sortir de mon trade, il faudra un retour vers les... Donc mon premier point d'entrée est à 4368, mon second à 4361, donc il faudrait un retour vers les 4365 environ, 4366 peut-être, pour valider le profit. Je vais repérer les différents seuils importants d'après moi de la journée là. Bien sûr les plus bas. Et avec une autre couleur. Enfin non même pas en fait. Voilà. Donc bah, les seuils importants, ça a été début de journée, donc 8h38, accélération baissière, cassure des plus bas de la veille et décrochage franc. Donc là une baisse. Franche et continue avec des petites phases de correction et des vendeurs qui reviennent agressivement. Donc ça pour les suiveurs de tendance c'était intéressant à suivre et plutôt facile à jouer, c'est toujours facile à dire après coup, mais en tout cas une tendance assez nette. On a commencé à ralentir à partir de 10h
10h15, avec des bougies qui commençaient à être d'une plus faible amplitude, des cours qu'on commençait à distribuer, on commençait à distribuer à un certain moment sur le même niveau. Ensuite, à partir de 11h, on a eu une accalmie pour se tasser. Et enfin, des zones qui ont été beaucoup distribuées à partir de 13h, ce qu'on disait tout à l'heure. Et on est dans ces zones actuellement. Donc on a marqué un plus bas, ce qui n'empêche pas de marquer un plus bas. Hein. Donc on a ralenti, mais on a quand même marqué le plus bas à 14h30. Depuis, ben, on hésite, on revient tout le temps tester ces niveaux. Et là, on vient de revenir dans cette zone qui a déjà été travaillée. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est ma logique là. Voilà, s'il n'y a pas de vraie raison, je vois mal comment on pourrait les casser facilement cette zone qui a fait vraiment zone de support aujourd'hui. S'il y a des vraies raisons derrière, très bien, on va aller les casser. Et à ce moment-là, je prendrai ma perte et je me retournerai. Mais si on reste dans un schéma purement technique, ça peut être une zone où on distribue. Donc, pas forcément un gros rebond, mais simplement, voilà, on va rechercher des points hauts, puis après on redescend, etc. Et c'est plutôt ce que je cherche ici. Voilà. Tiens, je me rends compte que j'ai pas mis mon stop sur la seconde position. 4349. Voilà, c'est en place. On est proche du point d'équilibre, donc également proche du point de sortie, si les acheteurs reviennent. Donc là, l'idéal, ce serait par exemple que les acheteurs soient attirés par la zone qu'on a distribuée tout à l'heure. Donc mon point d'entrée initial qui était vers 4368, qui permettrait de prendre un bénéfice. Ce serait le troisième gain validé sur la journée. Alors, à chaque gain clôturé sur ce compte, je vais chercher 10 euros de profit. Mon objectif, ce serait de faire 35 profits, qui représenterait 350 euros. Bon, comme j'ai dit, en termes de pourcentage, c'est beaucoup. Après, quand je mets 500, je suis prêt à risquer 500. C'est pas comme si je mets 100 000, voilà, et par exemple, que je vais fixer un radon maximal de 20%, comme c'était le cas, par exemple, sur le compte mutualisé précédemment. Donc, voilà, l'idée, c'est d'optimiser mes probabilités pour aller chercher cet objectif. Tout ça, j'ai fixé ça un peu de manière... On va dire sur le tas, quoi. J'ai pas... En fait, l'idée globale, c'est juste que... étant donné que j'ai plus là mon compte mutualisé actuellement, qu'on est en discussion pour le reste, etc. Voilà, ça me permet de rouvrir un petit compte, de me fixer des objectifs pour être cadré et pas faire n'importe quoi. J'ai réfléchi à cette méthode de trading avec les deux points de profit sur des méthodes de distribution en bénéficiant des spreads et des coûts de trading vraiment réduits sur le CAC 40. Voilà, c'est ça globalement. Après, il se passera ce qui se passera. Alors, ceci qui disait, Relaroom, salut Fab, tu trades sur ton compte perso JFD. Alors non, là, c'est un compte personnel chez JKFX. Comme tu peux voir, il y a une campagne publicitaire en cours avec ce courtier. J'ai jamais traité en réel avec ce courtier, donc voilà, je voudrais le tester. Bon, il est parfaitement régulé, etc., donc il n'y a pas de problème. Mais j'aime bien, voilà, quand je vais mettre en avant un courtier ou promouvoir un courtier, savoir ce qu'il en est, comment il travaille... comment ça se passe aux différents niveaux, aussi bien au niveau de l'ouverture des comptes, du service commercial, des équipes, de la qualité d'exécution, etc. Donc voilà, là c'est un test, et le fait que en ce moment je suis en discussion par rapport au MAM et que je ne traite pas avec, voilà, c'est l'occasion de reprendre un peu de réel en personnel. Puis là j'avais fait un retrait de 1097 euros de mon compte perso également chez JFD, donc là j'alloue un petit capital. On pourrait dire pour m'amuser, mais bon, c'est quand même... S'amuser, oui, mais c'est sérieux, quoi, c'est pas mal, quoi. Pourquoi tu ne fais pas trop... Tu ne fais plus trop le Forex Fab, demande le Forex Rem. Je sais pas, pourquoi pas. Là, en l'occurrence, c'est plus par rapport aux commissions proposées sur le CAC, qui sont assez exceptionnelles. Je crois que, justement, ils mettent beaucoup ça en avant, donc ça doit être une accroche... commercial en fait, pour faire venir les gens, un peu comme une société, je sais pas, par exemple quand vous allez chez une société de bricolage, etc., ils vont faire des offres d'appel en fait pour attirer l'attention et faire venir les gens, donc c'est vraiment des bonnes conditions, donc pourquoi pas trader le CAC. C'est un indice que j'ai eu peu l'occasion de traiter, bah, c'est l'indice français, donc c'est intéressant, et voilà, tout simplement, pourquoi pas en fait.
Ok Fab, oui j'ai vu la campagne, intéressant, les spreads indices apparemment disaient ceci. Voilà, c'est ce que je suis en train de tester. Avec des vendeurs qui pressent là, donc il va falloir faire attention. On est dans la zone qu'on a pas mal distribuée, pour le moment ça accélère. C'est spread plus commission ou sans, demande ceci, que c'est avec commission, tout compris en fait, 0,8 points. Donc, effectivement c'est vraiment pas très cher. Alors, là, ce qui pourrait se produire, ce que je disais tout à l'heure, c'est de se faire piéger avec une fausse cassure des plus bas. Après, toujours un enjeu. Marc Fiorentino qui s'exprimait ce jour sur son site monfinancier.com, on écoute ça. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier, nous sommes le mardi 23 septembre. Petite pression sur les actions, nous dit le Financial Times, les marchés ont baissé, ça avait commencé en Asie hier, ça a continué un peu partout. Alors bon, l'idée c'est qu'il y a peu de bonnes nouvelles du côté de la Chine avec un article très intéressant, toujours du Financial Times, qui explique globalement, et ça c'est en une du Financial Times, que si la croissance en Chine et les investissements étrangers en Chine sont en chute libre, c'est dû au fait qu'il y a cette campagne anti-corruption et que sans bakchiche, eh bien, certaines entreprises chinoises n'ont pas envie ni d'investir ni de faire de la croissance. C'est quand même assez rassurant. Par contre, du côté des boîtes allemandes, ça va bien, ça va même très bien. Elles ont décidé de conquérir les États-Unis. Elles ont acheté pour 70 milliards d'entreprises depuis le début de l'année. C'est très très spectaculaire. Bien évidemment, il y a pas mal d'éléments qui les intéressent là-dedans, mais ça montre surtout un pays qui est en plein développement. Alors un pays qui reste plombé, bien évidemment, par la France et par l'Italie. Valls était hier à Berlin, il y est encore aujourd'hui, il a essayé d'obtenir des choses. L'Allemagne lui dit tout simplement, on va vous aider, mais d'abord faites votre réforme. C'est-à-dire, si aide de toi, l'Allemagne t'aidera. Et ça, ça sera peut-être ce qu'il faudra retenir de cette visite. Très intéressant, une étude qu'a publié les Échos sur les redevables de l'ISF. Qu'est-ce qui est parti en fait et à quoi ressemblaient les gens qui sont partis en 2012? Eh bien, c'est des chiffres assez surprenants. Hein. 6,6 millions d'euros de patrimoine moyen, plus une moyenne de 800 000 euros de revenus avec deux tiers des gens qui sont partis qui gagnaient plus d'un million cinq. C'est quand même pas mal. Là, on parle d'un truc intéressant, le Bitcoin. Vous savez qu'il a chuté de 40%, on se demandait un peu pourquoi. Eh bien, des études nous montrent que si le Bitcoin a chuté, c'est parce que les Chinois qui en avaient l'ont vendu pour pouvoir participer à l'introduction en bourse d'Alibaba. Donc, vous voyez, on est en pleine spéculation. Air France, bah, je ne sais plus quoi dire, je le dis tous les jours, mais ça me rend dingue. Ça continue, la grève continue. Et en quelques jours, les pilotes d'Air France ont réussi à balayer toute une année de réduction de dépenses et de sacrifices faits par la compagnie et surtout par le personnel de la compagnie. Voilà, Sarkozy, il a beaucoup de boulot à faire parce que d'après les Échos, il y a 55% des gens qui n'ont pas été convaincus par son discours et plus de 60% qui pensent qu'il n'a pas changé. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier. Ok, alors la marge requise hein, pour un point, c'est la marge par défaut, ou si on peut négocier, ou je ne sais pas, je vais demander. Pour 10, pour 1 euro du point, on a une marge nécessaire de 100 euros demandés pour 1 euro du point. Donc là, avec mes 500 euros, je peux... Ah non, pour 2 euros du point.
Donc voilà, moi j'aurais bien aimé avoir un peu plus de marge, mais bon, si c'est comme ça, c'est comme ça. Donc là, il faut que je dise pas de bêtises. Donc là, j'ai une position de 10 euros du point ouvert sur le CAC 40 et j'ai une marge requise de 500 euros. Donc ce qui veut dire que je suis à 2 euros du point pour 100 euros, c'est bien ça. Ouais. Donc là, j'ai demandé au support si c'était possible de modifier ça ou si c'était fixe. Du coup, il faut que je fasse gaffe puisque sur la position en attente, elle ne sera pas exécutée si je suis dans ces conditions. Donc il faut que je la place avec. Le bon niveau. Bon, bah, je mettrai 5 en attendant. Ça remonte du côté du CAC. Alors, j'aurais bien voulu prendre une autre position. Hein. J'ai cliqué, mais ça n'a pas été exécuté puisque j'ai pas assez de marge. Ici, en fait, au retour des vendeurs, là, ça aurait été plutôt pas mal comme point d'entrée. Après, ça change pas fondamentalement grand-chose. Et de toute façon, les conditions de trading sont les conditions de trading. Ça aussi, c'est important hein, quand on va sur un nouveau produit ou quand on va chez un nouveau courtier, de prendre connaissance attentivement des conditions, des différents aspects, etc. Pas faire n'importe quoi. J'ai vu 1% de marge sur un 10, je crois, Fab, demande 10 aussi. Je ne sais pas. Il faut voir. En fait, je vais voir si c'est standard, si j'ai pas le choix, de toute façon, il n'y a, voilà, a rien à dire. Ou si je peux négocier. Et si je peux négocier, je vais essayer d'avoir un peu plus. Là, actuellement, par exemple, il nécessite 100 euros pour 2 euros du point. Eh bien, par exemple, pourquoi pas multiplier par 2, ce serait pas mal. Par 2, je pense. S1 en hebdo, on est en dessous, disait Phil, à propos du CAC. Justement, les acheteurs qui reviennent sur le CAC. Alors, je suis attentif, même si là, j'ai plus grand-chose à faire du coup, puisque si ça se passe bien, j'ai mon robot qui va prendre le bénéfice. Si ça se passe mal, j'ai mes stops et mon ordre inverse qui est en place. D'ailleurs, ben, à tel point que je vais vous laissez deux minutes, je vais me faire un café, parce qu'il est 17h17, je vais me préparer, il faut que je sois en forme également pour recevoir tout à l'heure Jonathan, qui sera avec nous une demi-heure, 35 minutes maximum, hein, à 18h, il nous parlera du risque, pourquoi pas parler aussi un peu de JKFX. Moi-même, je connaissais déjà ce courtier, hein, j'avais vu dans des salons, etc., mais je connais pas plus que ça, donc ce sera l'occasion de discuter un peu. Rob Hoffman qui publie des vidéos sur sa chaîne. Trader américain qui gagne depuis 3 années les duels de trading au salon du trading. Je vous laisse le lien vers sa chaîne YouTube pour ceux qui parlent anglais et que ça intéresse. Alors lui est très agressif. Hein. D'ailleurs, ça c'est assez marrant. Il n'a pas froid aux yeux. Il assume pleinement sa manière de faire. Et pourtant, c'est une manière qui peut être critiquable. Le fait est que ça fonctionne. Donc de toute façon, tu peux parler. C'est bien lui qui ramasse l'argent et c'est ce qu'on essaie de faire sur les marchés financiers. Mais c'est vrai qu'il est très agressif, il n'hésite pas à doubler la taille de ses positions, à faire à la fois de la moyenne et de la martingale. Donc bien sûr, quand ça part en vrille, il faut savoir prendre ses responsabilités ou alors s'en mordre les doigts. Il a l'air d'avoir du sang-froid, hein, franchement, quand on le voit traiter. Des fois, il a des sommes énormes, il continue à parler, etc. Le gars, c'est pas... Il est pas né de la dernière pluie, il connaît les marchés, à mon avis. Je vais regarder du côté du Cascopy TV ce qui se publiait. Commentaire hebdomadaire. On écoute un commentaire. Eh bien, bonjour, bienvenue sur du Cascopy TV pour cet point weekly, point hebdomadaire sur les marchés financiers. Alors, il est difficile de parler finance cette semaine sans parler d'Alibaba. Vous l'avez tous vu, tous entendu, la semaine passée, la plus grosse IPO de tous les temps. Monsieur Jack Ma a mis sa société de e-commerce en vente. Elle est arrivée sur le marché à Wall Street. Grosso modo, vous avez vu, pricée à 68$, clôture de vendredi soir, 93 et des poussières, 38% de hausse le premier jour. C'est grosso modo 230 milliards de capitalisation boursière pour Alibaba après un jour de trading.
230 milliards, pour essayer de mettre un petit peu les choses en perspective, c'est à peu près la valorisation de Procter & Gamble, un tout petit peu plus que des boîtes comme AT&T ou encore Pfizer. Donc quand même, c'est juste phénoménal. On a une boîte qui aujourd'hui vend du e-commerce. Quand vous allez sur leur site internet, si vous ne parlez pas mandarin, vous pouvez rien comprendre et rien acheter. Mais globalement, c'est le truc qui marche aujourd'hui. Donc c'est une révolution. Certains analystes disent déjà qu'Alibaba pourrait valoir deux fois le prix de sa mise en bourse, donc on parle de 150-160 $. Et aujourd'hui, quand on parle de ça, c'est des boîtes qui correspondraient à la valorisation d'une Google, par exemple. À 250 $, ce serait évidemment la même chose qu'Apple. Mais on n'en est pas encore là. Toujours est-il que la chose assez particulière qu'on vit en ce moment dans le marché, c'est que cycliquement, dans les bull markets, en fin de bull market, on a toujours une énorme IPO qui arrive sur le marché et qui nous dit « c'est génial ». Et comme par hasard, au moment où cette IPO arrive, c'est la dernière qui sonne. On l'a déjà vu il y a quelques mois, quelques années sur Glencore, qui est arrivé plus ou moins au top du marché des commodities. Et depuis, le titre n'a jamais vraiment décollé et le marché des commodities s'est un peu écrasé. Alors, est-ce qu'Alibaba est le signe d'une nouvelle décadence des marchés financiers ? L'avenir nous le dira. Deuxième sujet de la semaine passée, évidemment, c'était le vote des Écossais. Les Écossais ont décidé de rester dans le Royaume-Uni. C'est une excellente nouvelle, alors pas pour les 45% qui voulaient être séparés, mais c'est une très très bonne nouvelle pour l'économie écossaise et en tout cas pour les sociétés écossaises qui se sentent soulagées. Effectivement, tout ce qui était économie n'était pas vraiment pour cette solution de séparation. Donc pour l'instant, c'est très positif. Les marchés européens ont beaucoup aimé en fin de semaine. Maintenant, il va falloir voir les prochains mois qui vont arriver, comment ça va être pris au niveau électoral et comment la perception du cousin britannique va être pris par les Écossais ces prochains temps. Donc voilà, c'était un petit peu ce qui s'est passé la semaine passée. On a également eu les commentaires de la Fed qui nous ont laissé entendre qu'effectivement, ils allaient continuer à nous soutenir, garder les taux bas encore un moment. Donc le marché était extrêmement confortable. Donc d'un point de vue technique, le marché est de nouveau quasiment au plus haut de tous les temps. Le DAX a cassé sa résistance des 9800 points. Le S&P 500 a fait un plus haut historique. Le Dow Jones a fait un plus haut historique. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Maintenant, cette semaine, ça va être beaucoup moins sexy que ce qu'on a vécu la semaine passée, puisqu'il y a beaucoup moins de choses. Il n'y a pas la Fed, il n'y a pas le vote des Écossais, il n'y aura pas l'IPO d'Alibaba. On a très peu de chiffres économiques, on n'a même pas les chiffres de l'emploi. Donc, on ne sait pas trop de quoi on va parler cette semaine. Une chose est sûre, c'est qu'il y aura le GDP américain en fin de semaine. Le GDP américain est toujours intéressant à regarder, même si on sait qu'aujourd'hui, tout va bien aux États-Unis. Donc, pas vraiment de grosses craintes à avoir. À noter qu'aujourd'hui, M. Draghi parlera, donc on ne sait jamais ce qu'il va nous dire, mais on va probablement chercher des informations pour savoir quand c'est qu'il va nous lancer son QI en Europe. À noter que le dollar est toujours super fort, l'euro-dollar est toujours super faible. À noter aussi qu'on parle très peu du Bitcoin, mais il n'arrête pas de se faire taper dessus. Ce matin, il est à 388 $ pour quelque chose qui traînait autour des 550-600 $ il y a quelques temps. Il y a quand même une petite correction qui est en train de se passer sur le Bitcoin. Mais globalement, on a l'air d'être parti pour une semaine d'abord assez calme, mais surtout assez négatif, puisque ce matin, les indications sont déjà assez rouges sur les marchés. Une des raisons principales serait une société chinoise dans l'immobilière qui aurait fait faillite. Alors, évidemment, société chinoise, ça rappelle Alibaba. Donc, c'est une chose qu'on va parler beaucoup ces prochains temps, ces prochains mois, probablement. C'est la structure du capital d'Alibaba et la manière dont sont comptabilisés, dont les comptes sont faits en Chine, ce qui n'est pas toujours la même avec les États-Unis en comparaison. Donc on risque de rigoler un petit peu dans les mois à venir à ce sujet-là. Mais pour l'instant, Alibaba est le nouveau héros du marché. On va probablement beaucoup, beaucoup encore en parler. Mais on commence une semaine assez tranquille pour l'instant. Et puis j'espère que la semaine suivante, ce sera un tout petit peu plus intéressant que ce qu'on nous annonce pour ces prochains jours. Voilà, excellente semaine et nous, on se retrouve lundi prochain pour la suite de ce commentaire hebdomadaire. Salut! Bonjour et bienvenue à Ducascopie TV, je suis Elena Saïzafarova. Aujourd'hui nous accueillons Arnaud de Tézac, directeur des rédactions de Market Magazine. Arnaud, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Tout le monde parle des sanctions économiques contre la Russie, des conséquences géopolitiques, mais personne ne parle du cadre normatif. Comment ça marche réellement ? En fait, il faut comprendre que le droit international n'est pas un droit qui vient d'en haut. C'est un droit qui est égalitaire entre des pays souverains. Il n'y a pas de superstructure, si vous voulez. Il n'y a pas un super parlement mondial. Il n'y a pas un super gouvernement mondial. Il n'y a pas, même pas une super juridiction mondiale au sens propre du terme, même s'il y a certaines juridictions qui existent. Donc finalement, le droit international, c'est une affaire d'allégations. Vous voyez, c'est-à-dire que
Par exemple, un pays va dire « je considère que tel autre viole le droit international ». Et quand il dit « je considère », en général il ne le dit pas d'ailleurs, mais il dit « tel pays a violé le droit international ». Mais en réalité, c'est une allégation qui est strictement politique. D'un point de vue pratique, si vous voulez, les pays ont le droit d'interpréter les positions des uns et des autres en matière de droit international. Les pays ont le droit de le faire comme ils le veulent parce qu'ils sont précisément souverains. Ça, c'est vraiment l'élément clé. Donc on appelle ça un principe d'auto-interprétation, si vous voulez, du droit international. Un pays pense qu'un autre a violé une norme, l'autre ne le pense pas, et voilà. Et c'est comme ça que les choses se font. Après, on va passer à un rapport de force. Et les sanctions, c'est le début du rapport de force. Et la Suisse, sur quoi se fonde-t-elle pour imposer des sanctions à la Russie? Alors, elle se fonde en fait sur deux arguments et puis une loi, donc trois éléments. Alors, les deux arguments, c'est quoi? Le premier argument, c'est, en gros, la Suisse dit, l'Europe a pris des sanctions, enfin les États-Unis aussi, le Canada, le Japon, etc. Mais contentons-nous de simplement l'Europe, le voisin immédiat. L'Europe a pris des sanctions et je ne veux pas que la Suisse devienne un lieu de contournement. Hein, voilà. Apparemment, ça n'a l'air de rien, c'est du bon sens pur. Bon. Et puis le deuxième élément, c'est nous, en Suisse, on considère que la réunification de la Crimée avec la Russie viole le droit international. Donc ça, c'est les deux arguments. Et puis il y a un fondement juridique, une base légale, comme on dit, qui est la loi sur les embargos. Donc c'est ces trois éléments. Alors, le premier... Le contournement. C'est quoi un contournement? Ça a l'air de rien. On dit oui, on ne veut pas que finalement on se serve de la Suisse pour faire des choses illégales. C'est ça que ça veut dire derrière. Mais qui définit que c'est légal ou pas légal? Ce n'est pas une cour internationale, comme je viens de le dire. Ce n'est pas une instance supérieure qui aura dit le droit. Non, ce sont des gouvernements. Donc à partir du moment où un gouvernement ou un groupe de gouvernements comme l'Europe dit nous considérons que ce que fait la Russie est illégal, et que la Suisse dit « je ne veux pas qu'on vienne ici contredire cette position politique », sur le plan politique, la conséquence est gigantesque. Ça veut dire que la Suisse dit « nous, on applique des décisions qui ont été décidées ailleurs ». Ça veut dire qu'on fait cadeau d'un morceau de notre souveraineté à d'autres pays. On se met en situation de subordination. Le fait de ne pas vouloir que l'on contourne les lois d'un autre pays veut dire que on se met quelque part à son service. Pourquoi? Parce qu'un contournement d'une loi, normalement, c'est quelque chose qui est géré par l'émetteur de la loi. Vous voyez? Pour faire simple, vous prenez une loi anti-évasion fiscale émise par la France, c'est la France qui va faire tout ce qu'elle peut pour se prémunir contre une évasion possible et par conséquent prendre elle-même des dispositions anti-contournement de sa propre loi. C'est pas... je ne sais pas, moi, le Québec ou le Nicaragua qui doit s'occuper des affaires fiscales de la France, vous voyez. Donc, alors, à moins qu'il y ait un traité. Alors oui, s'il y a un traité, oui, mais là, il n'y a pas de traité. D'accord. Il n'y a aucun traité qui dise la Suisse doit appliquer les sanctions européennes, vous voyez, ou doit aider l'Europe à ce qu'il n'y ait pas de contournement de ses propres lois à elle. Donc, derrière cet argument qui est anodin, frappé au coin du bon sens, si vous voulez, eh bien non. Il y a un élément extrêmement important qui est celui de la souveraineté et de l'état de subordination, en fait d'intégration, si vous voulez, de la Suisse dans un système légal qui est étranger. Donc il y a un problème, puisque le gouvernement, rappelons-le, le Conseil fédéral, au titre de la Constitution, est garant de l'indépendance du pays. Donc il y a un problème, numéro un. Arnaud, et le deuxième argument sur la Crimée, que doit-on en penser? Alors là, c'est pareil, tout le monde est d'accord, il y a un très grand consensus, si vous voulez, international, sur le fait que la Russie aurait donc annexé la Crimée. C'est basé sur quoi? Alors là aussi, c'est complexe. On va faire très très simple et très direct. On part du 1er décembre 1991, indépendance de l'Ukraine. La Crimée, on va dire, était une région de l'Ukraine. L'Ukraine était un État fédéré au sein de la Fédération de l'Union soviétique de l'époque. L'Ukraine s'en sort. Eh bien, les frontières administratives de cet ensemble ukrainien deviennent les frontières extérieures. Ça, c'est une règle. Je ne vous donne pas le nom technique, je vous en fais grâce, qui fonctionne relativement bien et qui fait l'objet d'un grand consensus. Après quoi, en plus, la Russie nouvelle, hein, qui est née juste après, a reconnu par des traités internationaux cet état de fait, l'intégrité du territoire, etc., etc. Donc, à partir de 91, tout le monde est d'accord. Donc, effectivement, le fait que la Crimée souhaite s'en aller, au titre de son droit à l'autodétermination, ne fonctionne pas non plus, parce que le droit à l'autodétermination ne donne pas un blanc-seing, si vous voulez, à une province pour se détacher d'un pays
Il n'y a que dans la décolonisation ou dans d'autres circonstances que cette autodétermination externe, si vous voulez, ce droit de faire scission est reconnu. Ou alors, si c'est conforme à la constitution du pays local, comme ça se passe dans le vote en ce moment avec l'Écosse pour se séparer du Royaume-Uni. Bon. Mais encore une fois, le droit international, c'est un droit d'auto-interprétation des États. Ça signifie quoi? Ça veut dire qu'on a le droit, par exemple, de déplacer le point de vue, de déplacer le curseur du temps, par exemple. Qu'est-ce qu'on remarque si on fait cet exercice? On remarque que l'Ukraine n'était pas une province de l'Union soviétique. L'Ukraine était un membre fondateur des Nations Unies en 1945. Ça veut dire que l'Ukraine était reconnue par la communauté internationale comme ayant une souveraineté. Alors, elle n'était pas à 100%. Comme la souveraineté des pays européens aujourd'hui n'est pas totale, puisque par exemple, ne serait-ce que pour les sanctions, elles sont d'abord décidées à Bruxelles et ensuite ratifiées par les pays membres. On n'est pas obligé d'être à 100% souverain pour être indépendant ou en tout cas reconnu souverain internationalement. Ben, c'est le cas de l'Ukraine depuis 1945 et ça va même plus loin. L'Ukraine a même été membre du Conseil de sécurité à deux reprises, deux fois deux ans, quatre années, ce qui est énorme. A pris des décisions parfois qui n'étaient pas exactement celles de l'URSS, et en tout cas a pris des décisions qui engagent la communauté internationale, au nom de la communauté internationale, membre à part entière de la communauté internationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'Ukraine est rentrée à l'ONU en 1945, la Crimée n'en faisait pas partie. Vis-à-vis de la communauté internationale, l'Ukraine était souveraine, puisqu'elle était membre elle avait son siège indépendant à l'ONU, quelles que soient les raisons d'ailleurs pour lesquelles ces choses-là ont eu lieu, c'est autre chose. Du point de vue juridique strict, hein, l'Ukraine a signé quantité de conventions internationales à cette époque-là, par exemple. Donc, la Crimée n'en faisait pas partie. La Crimée est rentrée en 1954. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'était pas un remembrement administratif intérieur. Non, non. C'était l'adjonction d'un territoire à un autre, ce qu'on appelle en droit international une succession d'États. Il aurait dû normalement y avoir en 1954 eh bien, un certain nombre de constats de cette situation, puisque ne serait-ce que sur le plan diplomatique, il y avait une population nouvelle qui entrait, il y avait des questions par exemple de protection diplomatique, il y avait des questions de frontières, de délimitation des frontières maritimes, par exemple, hein, la mer Noire, très important. Je ne parle même pas de Sébastopol, hein, ce qui complique encore davantage, mais il y a eu un nouveau découpage. Imaginez une seconde qu'au lieu que ce soit simplement la Crimée qui soit adjointe, l'URSS ait décidé d'adjoindre, ce qui aurait été possible, l'ensemble de la Fédération de Russie à l'Ukraine. On aurait bougé. D'accord? Donc ce n'est pas une question de nombre d'habitants, ce n'est pas une question de population, c'est une question de nature de l'opération. Donc par nature, il y a eu une succession d'États. Et normalement, il y aurait dû avoir une option, si vous voulez, pour le peuple de Crimée, dans son droit à l'autodétermination, de savoir bah, finalement, par exemple, quelle devait être sa nationalité. Alors, bien sûr, comme tout le monde avait la nationalité soviétique, bah, personne n'a soulevé la question. Mais ça ne veut pas dire que le droit n'est pas né à ce moment-là, en 1954, pour le peuple criméen de se déterminer. Il est né en 1954, on peut le dire. En tout cas, on peut le soutenir. Et il a été suspendu jusqu'à la première occasion de pouvoir s'exprimer. Et cette occasion, elle est venue. Elle est venue quand? Elle est venue, pour faire court, le 12 janvier 1991. C'est-à-dire avant le 1er décembre, date de l'indépendance d'Ukraine. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Il y a eu un référendum qui a dit deux choses. La Crimée n'est plus une simple région, mais devient une république autonome au sein de l'URSS, et ça a été acté. Deuxième chose, le peuple de Crimée décide de se rattacher à l'URSS en tant que république autonome, donc se détache de l'Ukraine, et ça a été acté. Et c'était conforme, comme la procédure d'Écosse aujourd'hui avec l'Angleterre, c'était conforme à la constitution de l'époque. Alors, comment ça se fait qu'on en est là aujourd'hui? Bah, écoutez, il y a une raison politique très importante à cela. D'abord, bien sûr, la déliquescence du régime, hein, qui était en pleine décomposition, mais un petit peu après. Ouais, de retour. Ceux qui vous regardent en entier, la fin de cette vidéo, qui était assez longue, mais elle faisait plus de 10 minutes, on a déjà écouté 10 minutes, sur le conflit par rapport à l'Ukraine et l'implication de la Russie. Voilà, on en parle moins maintenant à la télé, mais c'est pas pour autant que les divergences et le conflit n'existent plus. Il peut y avoir des impacts économiques importants. 17h34, on a le fixing actuellement en Europe, notamment en France. Je vous laisse le lien du Cascopi TV. Je tourne mes achats du côté du CAC. On peut avoir des mouvements juste après la clôture ou pendant la clôture. Ça peut jouer pour moi comme pour tout le monde, donc il faut être vigilant. J'ai mon ordre dans l'attente. Si ça se passe bien, j'ai mon robot qui prendra le bénéfice. Donc, comme je dis tout à l'heure, là, j'ai pas grand-chose à faire par rapport à cette position.
les marchés peuvent bouger également juste après la clôture, puisque les Américains sont ensuite seuls. En tout cas, les marchés européens ne sont plus là. Donc, on peut apprendre de nouvelles directions où ça peut amener une nouvelle volatilité. Là, ça s'énerve un peu. Voilà, si on peut avoir un pic aussi, moi, ça me suffit. Hein. Je prends quoi qu'il arrive. 2 points initiaux et 10 euros par série de trades. Je ne vais pas chercher du tout, dans le cadre de cette stratégie-là, à suivre une tendance ou à anticiper un mouvement. Je vais chercher à anticiper un mouvement, mais pas en profiter un maximum. Vraiment d'aller chercher mes 2 points. Donc trouver une configuration optimale pour aller chercher mes 2 points, sortir le plus rapidement possible. C'est du scalping. Du scalping en général sur CFD, c'est assez délicat. Ici, 0,8 points, c'est pas aussi bien que ce qu'on peut avoir sur futur, mais c'est proche. C'est quand même des très bonnes conditions et ça permet de faire quelque chose du scalping proprement. Là, depuis le début, franchement, mon exécution elle est correcte. Hein, il n'y a aucun problème sur mes 3 premières positions. Après, c'est pas suffisant sur 3 positions. Mais en tout cas, ça semble être des conditions sympas là, pour monter un petit truc. 17h36. Fille qui partageait un lien, des petites taxes partout. La nouvelle écotaxe fait augmenter le prix du fruit et légumes. Ouais, ça devient compliqué. Je crois que déjà les gens ont du mal s'ils continuent leur connerie. Il va se passer des trucs bizarres comme il y a eu en Bretagne récemment. Sorti à 14 points. Pas de flash crash à 17h30, je t'en rassure, disait 13h27. Je fais du scalping. Scalp swing, disait Phil, c'est quoi ça? Je prends 3 fois. VWAP MM10 et 20 en point pivot. Phil, t'es sur quoi comme position actuellement? T'as pris ton bénéf, Phil, demandait Mario, ça rebondit. Ça, on avait vu. J'avais vu 1% de marge sur les indices, je crois, Fab. Ouais, ça, c'était par rapport à conditions de trading là chez JKFX. J'ai aussi un signal mais pas pris. Ça y est, il est revenu. Stop suiveur dynamique 10 points. Du bouger, je viens juste de voir le joli rebond de 60 points sur les 9600, donc sur le DAX. Il disait SOSIC. Moi, je suis sur le CAC, mais bien sûr, on a des corrélations assez fortes. Et on peut faire des choses de ces corrélations. D'ailleurs, je vous invite à consulter la vidéo de Marc-Antoine Devilliers, donc de la Diamond Training Academy, qui nous parle un peu d'une de ses spécialités. Le trading, justement, du spread, de l'écart entre... lui, il le fait beaucoup entre le DAX et l'Eurostox, c'est ce qu'il précisait. Alors que là, on est très proche du point d'équilibre. J'aurais pu mon point d'entrée plus bas, je serais déjà sorti. Après, c'est comme ça. Le dollar, souvenir d'anciens combattants ou retour vers le passé. Pendant la plus grande partie des années 70, la gestion du dollar par les autorités américaines fut tout simplement désastreuse. Toutes les erreurs fussent commises au cours de ces 10 années. Voilà, bah ça y est, alors attendez, je me concentre. Ça change rien hein, que je me concentre ou pas, mais je regarde juste ce qui se passe sur les marchés, puisqu'on est très proche de mon point de sortie. Alors, est-ce que les acheteurs vont pousser? Est-ce qu'on va aller... On est repassé en tête hors positif, là. Est-ce qu'on va aller chercher les 10 euros de profit? Ça s'agite un petit peu, c'est nerveux. On est passé à plus 3 euros. Là, on est à moins 10. C'est vrai que c'est confortable le robot dans ce type de marché. Si tu fermes en manuel et que tu veux un gain précis, t'es stressé, t'es là, tu regardes, tu ouvres grand l'œil pour voir dès que ton équité atteint le niveau que tu vises. Finalement, t'es moins efficace qu'un robot et ça fait plus de stress, donc c'est une bonne chose. Alors, il y avait notamment un graphique du dollar face au franc suisse. On voyait que le dollar ne cessait de se déprécier depuis les années 70. Il rebondit un peu maintenant, mais sans grands entrains. Et rien de comparable à ce qu'il a perdu depuis des décennies. Et on voit que certains accords ont un impact et une influence majeure sur l'évolution
des cours des devises. Intéressant, tiens, je vais suivre cela sur Twitter. Ce site, l'Institut des Libertés. Je vais partager cet article. Voilà, c'est publié. Alors, sur le CAC 40, pas de point de sortie pour le moment, des vendeurs qui reviennent légèrement. On est dans des zones qu'on a pas mal travaillées, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Hein. Finalement, avec l'accélération baissière, on est revenu travailler les zones qu'on avait beaucoup distribuées, dont j'avais parlé en début de, bon, en début de session. J'ai commencé assez tard, hein, il était 16h. On a tenté d'accélérer sans y parvenir. On reste au-dessus du précédent plus bas, donc il n'y a pas eu de piège, pas de fausse cassure ou quoi que ce soit. Les acheteurs reviennent légèrement. Si je peux prendre mon point de sortie, tant mieux, ce sera le troisième gain de la journée. Mon objectif avec ce compte, c'est d'en faire 35, donc on en est encore loin, mais voilà, ça progresse, tant mieux. Sympa, la série de vidéos en spreading également, disait Saucic, qui ressort des vidéos de Marc-Antoine de 2010, hein, des vidéos qui ont quand même plus de 4 ans. D'octobre 2010, ben là, qui ont 4 ans, justement, où il expliquait ses méthodes d'intervention qu'il a pu expliquer dans l'interview vidéo, notamment de spread. On va regarder ça en partie. Merci. Voilà, nous revenons. On est toujours le 5 octobre, il est 15h35. Nous sommes toujours en train d'essayer de présenter un petit peu les carnets d'ordre et les stratégies dans les carnets d'ordre. Devant nous, nous avons 6 carnets, les 3 carnets d'obligations, le Boon, le Bubble, le Schatz, et nos 3 carnets d'indices sur lesquels nous allons intervenir, que sont le DAX, l'Eurostox et le S&P. La colonne bleue sont les prix acheteurs, la colonne rouge, pardon, les quantités vendeuses, l'équilibre entre la première quantité achetée et la première quantité vendue et l'équilibre du marché. Donc, comme je récapitule notre money management on clip avec 55, money management par trade, c'est quand on rentre en spread demi-taille 2500$, en deux spread en deux entrées 5000$, pas plus. Couper si ça on atteint notre stop loss par trade et notre limite par jour est 10 000, donc ça fait 13 000$. Quand on est vendeur, notre prix sera affiché en rouge. Quand on est acheteur, notre prix sera affiché en bleu. Et en bas, on voit notre PNL, notre résultat à chaque instant T. Là, je vends 6200.5 de 5 contrats. Je suis vendeur sur le DAX. La bataille, je vous ai dit que j'ai 1000$ pour 5 lots, 1000$ par trade. Donc je suis dans mon management. Voilà, je coupe 98 années. J'ai coupé ma position profitable. Tant qu'on respecte son money management par stop, par trade, voilà tout, il n'y a aucun souci. Pour celui-là, cette position, à peu près pour un DAX, je prends 125€ à peu près par trade pour un DAX. Donc voilà, pour 5, ça fait 800, ça fait 800€, donc ça fait à peu près $1000. Et à ce point-là, si qu'on a raison, on a raison, maintenant on travaille bien, et puis on sait que, bah, au pire, on sait au pire combien on peut perdre par trade, donc on peut jamais. Il n'y a pas une histoire de moyen-âge, jamais je moyenne des trades.
félicite. Là, je surveille 93, qui avait l'air d'être un point intéressant. De toute façon, je l'aurais pas pu l'avoir, mais je le surveillais. Alors, on est dans une tendance haussière depuis ce matin. Je fais juste attention à ce que cette tendance ne s'inverse pas. Regardez la suite, après il faut être attentif hein, pour voir ce qui se joue, etc. Ça y est, moi j'ai pris mon bénéf sur le CAC 40 avec des acheteurs qui sont revenus. J'ai pris un peu plus, du coup 3 euros de plus. Donc voilà, très bien. Bon, je vais finir ma session de trading là-dessus. C'était une petite session puisque j'ai commencé tard. 3 séries validées, voilà, bah, tant mieux. Et on se retrouvera demain, donc avec ce même type d'approche. Est-ce que je vais le faire demain matin? Je me pose la question. Parce que c'est les marchés, les indices. C'est assez prenant et intéressant. Donc pourquoi pas? Donc peut-être que demain matin. De toute façon, si je trade, je me mets en live. Hein, parce que je me concentre que dessus. Donc voilà. Là, on va attendre bah, simplement l'arrivée de Jonathan Moisan. Qui va animer le webinaire sur la gestion du risque. Jonathan Moisan de JKFX. Qui nous rejoindra maintenant dans 13 minutes. On va écouter la fin déjà de la vidéo de Marc-Antoine. Quelques réactions sur le chat écrit. Ça, on avait vu. DAX, 125$ par point, il prend. Demandez Phil. Non, c'est son risque par trade pour un lot. Faut un CAP opticien pour faire ça, disait Phil. Ce qui disait un lot DAX égale 25$. Donc, en fait, il a 6 ticks, désolé. Il y a un webinaire des soucis qu'effectivement, ouais, on recevra. Un représentant de JKFX, voilà un analyste de chez eux. Moisan, c'est un breton, dit Phil. Ah, je sais pas du tout. Je suis pas breton, je connais pas les noms bretons. Allez, on écoute la suite. Ah, je vais essayer de rentrer 90, je vais voir si j'arrive à voir, sinon je tape vite 90,5. 90, ok, je vais exécuter à 90, je suis acheteur de 4 contrats, 5 maintenant, 4 contrats, 5 contrats à 6190. Coupé 91, j'aurais pu avoir 91,5, dommage. Des marchés, l'euro est au plus haut, donc on est presque à 1,38 pression, donc ça définit un peu pourquoi la tendance est vraiment très haussière, et on a aussi notre relation avec les taux qui sont tout en bas du taux. Thank you.
les deux scénarios. Si ça baisse, j'aimerais essayer de voir, peut-être essayer à un moment donné de payer le stock dans un entour à peu près vers ici. Et puis essayer de me couvrir sur le spread en face. Parce que je pense que le stock a beaucoup plus baissé en ampleur que le DAX. Et donc, vu que la tendance est haussière, il remontera plus. Donc le spread se réécartera dans le sens de l'Eurostox. Et puis si ça monte, je vais essayer de voir selon les impulsions, plutôt essayer de shorter le DAX, qui a l'air plus facile à shorter que l'Eurostox. Alors je coupe la vidéo pour en reprendre une rapidement parce que ça fait déjà presque 10 minutes. Bon, honnêtement, il faut vraiment se concentrer, etc. Pff, le carnet d'ordre, voilà, je commence à comprendre quand même au fur et à mesure, mais c'est pas ma spécialité. Enfin, vous avez l'adresse partagée par Sosic sur le chat écrit pour ceux que ça intéresse. 17h53, début du webinaire dans 7 minutes. Je vais couper juste avant pour que ça fasse une vidéo séparée afin que ce soit plus facile à uploader. J'ai fini ma session de trading, donc bah, très bien. 3 séries clôturées, 33 euros de profit sur 500 euros de base. Donc c'est surtout 3 séries, c'est ça qui est important, c'est le nombre de séries. Puisqu'encore une fois, c'était ceci qui me donnait quelques infos. Effectivement, je suis bien en réel. Hein. Je suis repassé en réel avec un petit compte perso. C'est pas vraiment, j'aime pas trop le terme m'amuser, parce que ça sous-entendrait que je fais un peu n'importe quoi. Mais voilà, c'est du trading pour compte propre, avec un capital... réduit, j'ai pas des milliers d'euros à consacrer en ce moment au trading. Donc c'est voilà, l'idée c'est de mettre une somme raisonnable, d'utiliser le fait de levier à bon escient, mes connaissances des marchés maintenant, pour essayer de générer du profit. Et j'ai marqué un cadre, voilà, mon idée c'est de faire 350 euros avec ces 500 euros. Donc c'est 350 euros de bénéf, je suis prêt à les risquer ces 500 euros. Donc si je dois les perdre, bah, ça me fera chier, ce sera pas la fin du monde. Ça se passe bien, ça me fait un bonus de 350 euros. Très bien. Je vais partir en plus bientôt en vacances à la Toussaint, là. Donc je les mettrai de côté. Voilà, c'est pas mon activité. C'est pas avec ça que je. C'est pas mes grands objectifs. Hein. Professionnel du moment, là, c'est juste une période de transition où on est en discussion par rapport au compte mutualisé. Donc j'en profite pour prendre un peu de trading personnel. Ça me permet également de tester le courtier avec qui je travaille en ce moment, avec qui j'avais jamais tradé en réel, GKFX, et notamment ses commissions vraiment intéressantes sur le CAC 40. Voilà, globalement, l'idée SOSIC. Ok, tu comptes faire du scalp uniquement dessus? Oui, c'est ça. Là, ça va être que du scalp. Voilà, j'ai défini ma stratégie. L'idée, c'est d'aller à chaque fois chercher deux points sur le CAC 40, donc de rentrer avec des positions à 5 euros du point. Allô.
Donc voilà, ouais, donc j'ai un appel. Et je vous dis, et donc là, moi, j'ai un papier, en fait. J'ai une grille avec mes 35 cases. Donc à chaque fois qu'un trade est validé, je coche ma case. Voilà, il n'y aura pas 36 000 issues, hein, de toute façon, à ce compte. Voilà, globalement. Donc oui, je vais faire du scalping. Alors, on va bientôt commencer avec John, okay, qui est prêt. Jonathan, il m'a dit sur Skype. Ah, je vais couper l'émission, je vous retrouve dans 2 secondes. Et on va... Bon, on a encore quelques minutes encore. Enfin, je vais rester encore 2-3 minutes avec vous là, avant de couper et de reprendre juste après. Ceci qui disait ça roule fab, intéressant à suivre en scalping. Good luck, disait Saucic. Ouais. Après, donc je serai que sur le CAC 40. Et mon idée, ça va être... Il n'y a pas une, tu vois, moi je vais pas appliquer une stratégie fixe, je vais quand même adapter au contexte du marché. Je veux dire, par exemple, une journée comme aujourd'hui, on a un CAC qui perd plus de 50%, je sais pas combien en clôture au final, mais on a un CAC qui perd donc au total sur la journée 1,87%, donc c'est quand même une journée où ça bouge, ça fait des jours que ça n'est pas arrivé. Si je vais du côté de marketwatch.com, site du Wall Street Journal, on a une journée qui a pas mal bougé du côté de... Putain, mais pas du tout en fait. C'est vraiment l'Europe qui souffre puisque les marchés US ils baissent que de 0,19%. Donc un vrai écart, une décorrélation entre les actifs européens et les actifs américains. Mais en tout cas, en Europe où on a une grosse baisse comme ce qu'on a eu aujourd'hui en France, je vais pas trader de la même manière que si on a des journées à toute petite balance comme on avait eu hier par exemple. Mais l'idée globale, c'est voilà, que sur les indices actions, bien souvent les excès sont corrigés et on revient dans les zones qu'on a déjà travaillées. Donc ne pas m'exposer quand on a des gros mouvements, donc ça ne sera pas du tout une stratégie de tendance. Quand ça commence à stagner, plutôt rentrer de manière contrariante pour aller chercher 2 points donc de correction, mais ça arrivera. Quand le mouvement de fond prend le dessus, hein, par exemple, admettons, voilà ici, admettons que je tradais aujourd'hui, ce matin on aurait eu un beau mouvement, là ça recommence à tergiverser, je sais pas pourquoi, mais je me fais planter sur le point haut, et derrière les vendeurs reprennent en main le marché, et bien me stopper sous les précédents plus bas, et si effectivement le mouvement de fond reprend, et bien plutôt sortir du marché, voire suivre la tendance, qui me semble plutôt cohérent, pour attraper une partie de la perte, voire repasser positif. Et bah autrement, les journées qui seront bonnes, ce seront bah voilà, typiquement des journées comme hier ou des journées classiques, hein, comme on en a beaucoup. Après, si je tombe dans une période où on va avoir des grosses phases d'accélération et que j'applique ce type de stratégie, ce sera beaucoup moins efficace, voire perdant. Après, voilà, c'est toujours une question de compromis sur les marchés. Donc, à suivre. 0,4 le S&P et le Russell, j'ai vu. Sérieux, moi je fais le CAC, mais si tu me dis 0,4, c'est incroyable. Je regarderai les autres indices demain. Allez, je déconnecte, je reconnecte dans 2 minutes. A tout de suite.